It's a gizmo! Il était une fois l'histoire d'un homme qui était passionné par One Piece. Lui et son équipage voguèrent sur l'océan vers Blox Fruit. Laissez-moi vous conter cette histoire. Les amis, bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle aventure sur Roblox. Les amis, regardez ça, on est dans un monde magnifique et c'est un monde qui est nul autre que celui de One Piece. Pour ceux qui connaissent One Piece, c'est cool, vous allez pas être trop dépaysés. Et pour ceux qui ne connaissent pas, pour grossir les traits, c'est tout simplement des pirates qui affrontent la marine et qui peuvent obtenir des fruits du démon qui leur donnent certaines capacités. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à savoir à propos de cette map, les amis. On va parcourir un petit peu le monde pour découvrir des fruits du démon, peut-être s'en emparer et les manger afin d'avoir des super pouvoirs. Oh, regardez lui d'ailleurs, il va si vite. Oh là là, Troll Fruit, prime d'équipage 5 173 000. Oh là là, déjà là, on a affaire, il y a un grand pirate devant nous. Mais les amis, apparemment, on peut commencer à faire notre premier équipage et tout ça. Bon, les gars, moi en attendant, là, je suis tout seul. Donc, vous savez quoi, je vais y aller tout seul. Ah, je peux dash comme ça. Wow, ah ouais, ok. Ok, d'accord, ça puise un petit peu mon énergie. Alors, Bandit Quest Giver. Ok, donc lui, il donne des petites quêtes. Veuillez sélectionner une quête. Je suis un bandit. Wesh! Attends, quoi? Mais c'est quoi ce mec? Mais attendez! Ok, donc attendez, wesh, mais attendez, il a un fruit du démon de fou, lui! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti là-bas, c'est un malade! En attendant, nous, on doit tuer 5 bandits. Ok, on accepte cette quête, ça fait plaisir. Mais attendez, il se passe des trucs de fou là-bas. Il se passe des dingueries. Quête acceptée. Eh ben, merci beaucoup. Alors, où sont les bandits? Excusez-moi, est-ce que vous êtes des bandits? Ah, bah, ça va. J'ai juste à les taper. Oh là là, je le défonce. Viens là, je te défonce. Voilà. On va se faire notre premier bandit. Et hop là, voilà. On prend un peu d'XP les gars, c'est notre première quête, hop là, on se défonce du bandit. Voilà, on m'a donné la quête de te défoncer. Et en plus on va me donner de l'argent pour ça. Moi ça me fait plaisir. Hop là, un autre bandit en moins, viens là mon pote. Attendez, moi j'ai que mes points pour l'instant, d'accord. J'ai pas d'épée ni rien, j'ai pas de super pouvoir. Il me manque plus que deux bandits, allez hop là, toi je te défonce en deux. Je me bats contre des bandits niveau 5 quand même. Je suis même pas niveau 5, oh là là, mais ils sont en train de me faire perdre beaucoup de vie. Hop là, et toi tu es le dernier sur ma liste. Je peux dasher, hop là, et je t'en mets plein la vue. Hop là, encore une fois, tu ne sais plus où regarder. Je suis partout. Boum, mon cinquième bandit. Eh bah écoutez, c'est bon. Bonjour, oh, on est passé niveau 6 déjà. Mais oh là 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 là, mais ça va si vite. Bah monsieur, c'est bon, j'ai fait la quête. Bonjour, vous êtes qui vous? On va dire que ici c'est notre maison, hein. Voilà, apparemment c'est notre maison ici. Blox Fruit Dealer. Apparemment lui, qu'est-ce qu'il... Je cherche des fruits. Ok, donc lui il cherche des fruits du démon dans le monde. Quand j'en trouverai un, je le mettrai en stock ici dans ma boutique pour que tu l'achètes. Sinon tu peux tenter d'en trouver à travers les océans. Ah bah pour l'instant moi je vais plus aller essayer d'en trouver. Oh, il a déjà des fruits, ok. Bah alors frérot, t'as quoi là? T'as le truc tourné, le kilo Nomi j'imagine. Ok. Oh il a le truc du feu. Mais non, il a le fruit de Ace les gars, mais non. Il a le fruit du démon du feu carrément, ça peut être trop stylé. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Je veux l'acheter avec des Robux. Non, je vais pas mettre de Robux les gars, pas pour l'instant. Oh, il y a le fruit d'Aokiji les gars, le fruit de la glace. Ok, bon bah vous savez quoi, on va essayer. Eh les gars, oui bon c'est bon, 3 petits points on sait hein, c'est bon. T'es déçu? Bah oui, bah t'es déçu, bah moi aussi. Et lui, il vend des épées. Alors attendez, peut-être qu'on a une épée abordable. Katana. Un katana, les gars, quand même. Oh. Le prix, 1000. Oh, dommage, j'avais presque 1000. Les gars, on peut peut-être commencer. Vous savez quoi, on va essayer de se faire encore quelques bandits pour avoir 1000 d'argent. On va aller se faire de l'oseille pour après acheter une petite épée. Ça pourrait nous aider. Imaginez un katana plus un fruit du démon. Ça pourrait être incroyable. En attendant, je vais défoncer ces vils bandits. Voilà, tu n'es pas à ma hauteur, d'accord. Apportez-moi quelqu'un qui m'arrive à la cheville. Hop là, je te défonce, toi. Voilà, on gagne des niveaux. Ok, donc là, c'est bon. Normalement, on va pouvoir aller s'acheter un petit katana. Wouhou, notre première arme, les amis. Sword Dealer. Salut mon pote. Oui, tu vends des épées, je sais, merci. Je prends un katana, moi. Une arme pour les débutants. Eh ben, merci beaucoup, je vous l'achète. Let's go, on a un katana. Oh là là, il est trop stylé. Stat, hop là, épée, hop, on va miser sur l'épée quand même. Bon, moi, le truc, c'est que j'ai envie d'aller prendre la mer, d'accord. J'ai envie d'aller visiter d'autres îles. J'ai envie de voyager à travers le monde. D'accord, boat dealer, d'accord. Donc, eux, ils vendent des bateaux, et lui, il vend des bateaux de luxe. D'accord, bon, on va aller là, hein. Il y a plusieurs îles. Wow, ça va être trop bien. Basique à 1000. Vous savez quoi, je vais aller tuer des bandits et on va prendre un petit bateau à 1000 les gars. Je suis un utilisateur de katana supérieur. Quête recommandée. Il faut que je trouve le petit bot qui va me donner une quête dans la jungle à 300 mètres. Et bah c'est parfait les gars. Ah bah c'est là-bas, c'est sur cette île là-bas. Et bah on va aller là-bas les gars. J'ai trop hâte. Je kiffe beaucoup trop, c'est trop bien. Oh là là, c'est notre premier bateau les gars. Incroyable. Bateau. Wouhou. Je peux utiliser les canons?
Oh, oh la dinguerie, pardon, excusez-moi, pardon messieurs, je voulais pas. Oh là là, c'est parti, let's go. Allons à notre première île, les amis. C'est incroyable. Mais pourquoi mes canons ils tirent tout seuls par contre? Je suis pas d'accord, j'ai pas envie qu'on attaque des gens sans faire exprès. Oh là là, mais il y a des trucs qui se passent sur cette île là-bas, j'ai un peu peur. Les gars, j'ai très envie de trouver un fruit du démon. Je vais pas vous mentir que j'ai très envie d'en trouver un, ça peut être méga stylé. Oh là là, mais attendez, il y a de la bagarre là-bas, j'ai un peu peur. Moi je suis qu'un noob, hein, les gars. Voilà, hop là, je vais descendre de mon bateau. Oh, il y a des petits singes, des petits monkeys. Comment ça va? Regardez-le comme il est trop mignon. Wow, wow, il se bagarre. Oh le fou. Toi tu cherches la bagarre. Je te coupe moi. Oh là là, mais il me fait super mal. Je vais te défoncer. T'es malade toi. Voilà, il est fou lui. Mais il y a des singes partout. Ok, donc les singes à retenir, ils sont méchants. Oh là là, ok. Aventurier qui a une quête pour moi. Bah bonjour monsieur, vous avez une quête pour moi à ce qui paraît. Veuillez sélectionner une quête. Oh là là, singe. Déjà le singe, on a eu du mal. Alors gorille, j'imagine pas. Et le roi gorille. Les gars, j'ai un peu peur. Oh, il y a un mec qui a des ailes là-bas. Attends. Il y a un mec qui a un fruit d'animaux carrément. On va commencer par les singes, hein. Ok, confirmé. Je vais me faire les singes. Allez, c'est parti. T'enlève toute ta vie. Oh là là, le premier singe. Mais oh là là, mais ils sont super forts déjà ces singes-là. À ton tour. Mais ils font plus mal que moi. Ah là là. Ok, et de deux. Ouh, let's go. On a réussi notre quête. Waouh. Eh, bah c'est bon, j'ai réussi ma quête. Je vous en veux plus là. Oh là là, lui il vend aussi des fruits du démon. Je vends des fruits physiques aléatoires aux gens une fois toutes les deux heures. Plus ton niveau est élevé, plus ça te coûtera cher. Très bien. Eh bonjour, vous avez... Comment ça level 50? Mais il est malade. Gorille cette fois-ci. J'ai le niveau pour les gorilles. Bah super, mais ils sont où les gorilles? On m'a dit d'aller me faire des gorilles, mais je ne sais pas où ils sont. Excusez-moi, quelqu'un aurait vu des gorilles? Oh. Oh, j'ai trouvé un coffre. Oh, j'ai gagné. Bon, j'ai gagné 300 balles. Bah merci. Ça fait plaisir. Bon, ils sont où ces gorilles là? Ils ressemblent à ça. Bah oui, mais je sais pas où ils sont. Les gorilles, allez, c'est bon, j'abandonne ça. Moi, j'ai envie d'aller découvrir le monde, les amis, quitte à ce que je dois en périr. Hop, en avant. Mais c'est pas mon bateau ça. Qui a touché à mon bateau? Et qui a touché à mon bateau? Je veux pas en acheter, j'en avais déjà un. On m'a volé mon bateau? Mais dis pas qu'on m'a volé mon bateau. C'était pas lui mon bateau, hein. Je crois pas que ce soit lui mon bateau. Bon bah écoutez, c'est pas grave. En attendant, bah je pique celui-là, hein. Tant pis. Je saurai maintenant qu'il faut pas acheter des bateaux. Il y a juste à les voler. Allons par là-bas, ça a l'air bien sympa. J'espère qu'il n'y a pas de monstres marins, hein. Ça serait un petit peu dommage. Waouh, c'est quoi cette île? Eh mais c'est mon bateau, ça je reconnais. Ça je reconnais, c'était mon bateau avant. Oh là, ça se bagarre ici, hein. Oh, j'entends de la baston. Oh, c'est des pirates. Oh là là, niveau 35 ils sont les pirates. Eh, ça se bagarre ici. Eh, y a deux mecs qui sont en train de se battre. Tiens, prends ça. Ok, c'est bon, je rigolais. Ah, waouh, je rigolais, mon pote, c'est une blague. Je retourne à mon bateau. Wouhouhou, j'ai failli me prendre un coup d'un pirate. Ouah, les gars, ils sont forts. Oh, toi, tu peux me donner une quête, toi? Non, je voulais pas te taper, pardon. Bobby, c'est qui Bobby? Si je tue Bobby, les gars, je gagne 8000. Sauf que Bobby, c'est celui qui vient de nous faire extrêmement mal. Bobby, mon pote, mais c'est clairement Baggy le clown. Je m'en vais. C'est Bobby qui va te tuer, mon grand. Je crois que j'ai pas assez de niveau pour cette île, les gars. Mais j'ai que le niveau pour des singes, là, vraiment. Bon, en attendant, je reprends mon bateau. Hein. Je suis désolé, monsieur, mais bon, c'était mon bateau à la base. Allez, salut. Et la bonne journée. Oh, il y a une petite île là-bas, une micro-île. Ça se voit, c'est une sorte d'île au trésor, les gars. Je suis sûr que je peux trouver un petit fruit du démon. Je suis très curieux d'explorer ce vaste monde. C'est quoi cet endroit? Oh, les gars, c'est une cachette secrète. Je suis très curieux d'aller la voir. C'est une cachette secrète. Oh, il y a un coffre. Oh, mais il y a un gardien de coffre surtout. Bonjour monsieur, je viens en paix. Je prends juste ça. Oh, 2000. C'est qui lui? Wow, mob leader. Mais eh, dégage. Attends, il va me suivre là? Mais il est niveau 120. C'est un boss. Autant pour moi. Le frérot, je viens de lui voler 2000 balles. Et moi, je veux un fruit du démon en fait à la base. Je vais tirer dessus au canon. Oh, je le défonce au canon. Bon bah salut mon pote, en tout cas je t'échouerave les 2000$, bah ça me fait plaisir. Heureusement qu'il a pas réussi à monter sur mon bateau celui-là. Bonjour, forteresse de la marine, eh bah je pense qu'on va pas être les bienvenus ici. Mais peut-être que la forteresse de la marine, ils détiennent des petits fruits du démon. Parce que moi j'aimerais bien avoir un fruit du démon. Oh, c'est parfait, il y a un petit coffre ici. Ça veut dire qu'un jour j'aurai peut-être ma petite affiche ici. Un jour les gars, j'aurai mon affiche ici, je le sais. Ah mais ça... Oh là là, il m'attaque. Eh, hey, il est niveau 120 aussi. Mais pourquoi ils ont tous des niveaux de fou? Laissez-moi. Wow. Wouhouhouhou. Non mais il y avait un coffre en haut en fait à la base, c'est pour ça que je... Oh là, je suis cupide. Attendez, mais c'est quoi cette dinguerie? Mais les gars, il y a des officiers partout. Oh la vache. Ah, c'est lui le boss? Bonjour, enchanté. Moi je faisais que passer juste pour voir, je suis un peu curieux. Allez, salut les losers. Mais quelle est cette île droit devant nous? Je suis curieux, c'est quoi? C'est des petits nuages? On va à Skypeia, c'est ça? Wow, mais on passe à travers, c'est vraiment des nuages. Hop là. Oh, mais il y a un coffre ici. Ah ouais, les coffres ils sont cachés, hein. Wow, mais on peut monter tout en haut. Les gars, mais il doit y avoir des trésors de fou en haut. C'est parti les amis. Bonjour, je ne vous veux aucun mal là, les petites fées clochettes. Un petit coffre en or. Oh là là, plus 1100. Bonjour, je vous veux aucun mal. Vous êtes 150? D'accord. Ah ouais, c'est les bandits du ciel, carrément. Moi, je viens juste choper des coffres à la base. Ah, 175. Oh, ils sont niveau 175. Moi, je veux juste trouver un coffre. Voilà, bonjour, merci. Je prends des coffres, moi, c'est tout ce que je fais. Ouh, on est bien ici. Ah ouais, on a atteint une nouvelle petite île. Mais ici, c'est cool, il n'y a pas de méchants. Sky Adventurer. Toi, j'imagine que tu vas me donner des quêtes où il va falloir que je tue des bandits du ciel. Bah voilà, bah merci. Oh, merci. Merci, mais non, merci. Oh, let's go. Plus 2300, ça c'est un vrai coffre. Les gars, on a bientôt 10 000 de thunes. Oh, il y a un petit coffre là-bas, je l'avais pas vu. Hop là, merci beaucoup. Let's go, on a 10 000 de thunes. J'ai envie de tenter le saut. Wouhou!
on arrive. Hop là, on va aller voir où est-ce qu'on peut dépenser cette oseille. C'est où déjà les gorilles? C'était par là-bas. Hop, moi je veux retourner à ma petite île pour acheter des épées, des petits trucs. Peut-être que je pourrais acheter un fruit du démon qui coûte 10 000 dollars. Ce serait pas mal. Oh mais attendez, j'ai vu un coffre là-bas. Et je ne refuse jamais un coffre. Oh là là, il y a surtout un joueur. Bonjour, bonjour, j'ai un petit coffre qui m'intéresse. Je vais retourner là-bas essayer d'aller acheter un fruit du démon à 10 000 dollars. Avec un peu de chance, n'importe quel fruit, hein. Bah à la prochaine, hein, monsieur, c'était très sympathique. Vous parlez pas beaucoup, mais vous êtes sympa. Retour à ma ville natale. Alors, Sword Dealer, bah merci beaucoup. Hein, c'était cool, hein. On a fait beaucoup de kills avec ton katana, mon pote. Le vendeur de fruits du démon. Alors, qu'est-ce que vous avez d'intéressant pour moi, mon bon monsieur? Allez, peut-être des trucs avec pour 10 000 dollars. Wesh, il est en rupture partout, le frérot. Ok, on peut quand même acheter le fruit du kilo-kilo pour peser une tonne. Même plus d'une tonne. Et ça, c'est quoi ça? Je peux savoir les capacités quand même? Je sais pas ce que je vais acheter. Tout est en rupture de stock sauf cela. Et les autres sont trop chers. Vas-y, on va se le tenter. En vrai, on va se le tenter. Ok, c'est bon. J'ai mon premier fruit du démon. Wouah, mais il y a un truc. Je crois qu'il y a le dieu de la foudre à côté de nous. Ouah, mais lui il est vénère son fruit, il est trop énervé, il a trop de chance. Moi aussi je veux un fruit comme ça. Un jour je l'aurai, les amis. Croyez-moi, ce n'est que le début de notre aventure. Ouah, attendez, en fait j'ai pris ma manette et attendez, ça a fait un truc. Oh là là, en fait je deviens ultra lourd et je fais une onde de choc de fou. Hop. Wesh, mais lui il fait quoi lui? Mais ils ont des pouvoirs de fou. Il a tout cassé. Attendez, moi je veux juste tester mon pouvoir. Oh, je l'ai jeté à l'eau. Ok, c'est stylé. En fait je fais une giga onde de choc. Oh, c'est trop stylé. Ne touchez pas là, madame. Je défendrai la mademoiselle. Voilà, défonce-le, vas-y, à coup de poing, vas-y. C'est bien, vas-y. Jure, elle essaye de comprendre les touches, elle est déjà dans un équipage. Moi, je ferai mon propre équipage, les amis. J'en fais le serment. Ceci est que le début... Wesh, ça va, on a compris. Arrête tes conneries, oui. Wow, il est con, t'as des ailes de fou. Oh, t'es trop stylé. Les gars, aujourd'hui, comme vous le savez, on refait une petite vidéo sur Bloxfruits parce que la première vous avait giga plu. Et là, on va tout de suite aller chercher Termini. Non, mais c'est pas par là, c'est à gauche. Je te laisse coucher, Radar. J'ai beaucoup de choses à montrer aux gens, les gars, là, parce que regardez, j'ai les 3 sabres de Zoro. J'ai changé de fruits comparé à la dernière fois, les gars. J'avais giga expérimenté le kilo-kilo nomi. Mais au final, j'ai changé pour tout simplement le pouvoir de Ace. Poule. Regarde, hey, Gizmo, tu sais faire ça ou pas? Regarde bien. Ouais. Tac, j'ai mis mes mains dans les poches. Quoi? Ouah, t'es trop fort. C'est parce que t'es un rat, ça. Toujours les mains dans les poches. Wesh. Oh là là, mais t'as appris les techniques de Sanji. Oh là là, wesh. Non, c'est trop stylé, les gars. On a tous appris les techniques de fou. J'ai arrivé niveau 300, ce qui veut dire que je vais pouvoir créer mon équipage. Mais d'abord, bah, faut aller chercher les membres de l'équipage. Y'a Termini qui est bloqué sur Marineford là-bas. On va aller le chercher avec notre gigabateau. Oh, wesh. Wesh, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est où Impel Down du coup? Moi, c'est reculé de tout. Hein. Bah, ouais, je sais bien. On va changement de programme, Termini. Il est enfermé en prison. On va aller le libérer. Ok, au Heps. Porte à tous les frérots enfermés. Ça se voit, t'as quelques cousins en vrai. T'es gentil encore. Hop là, avant d'aller chercher Termini, on va faire un petit tour sur cette île. Parce que j'ai envie d'apprendre une technique de fou, les gars. J'ai envie d'avoir la technique du Haki. Yeko, est-ce que tu peux me mener au vieux fou dans la montagne, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Hey, c'est mon terre-terre là-bas. T'inquiète même pas, j'ai battu le Yeti, c'est mon petit peu et tout. Aïe. Ouais, le Yeti, je l'avais battu, mais j'avais pas trouvé le petit vieux. C'est un alliance de ouf, le bougain. Il me raconte des bobards, il me dit, ouais, j'étais le second à Yonko, nanani, nanana. Oh, wow, t'es une caverne de fou, carrément. Oh, la dinguerie. Intéressant. Attends. Oh, wesh. Bonjour, monsieur. Salut, Sensei. Attends deux secondes, parce que... Un petit coffre de l'oseille. T'as la dalle, hein, t'as la dalle. J'ai la dalle, hein, j'ai la dalle. Ok, ability teacher. Ok, je peux être ton apprenti, s'il te plaît. T'es la puce en J. Oh, wesh. Ah ouais, mais je savais pas. Oh là là, la dinguerie. Oh. Moi, comme j'ai un costume, ça se voit pas. Tiens, giga patate, voilà. Bob. Ok, ça va, je rigolais. Vas-y, mais c'est pas qu'on a d'autres choses à faire, mon toi. Oui, c'est vrai, faut aller chercher Termini, c'est vrai, là, les gars. Il est en train de croupir en prison, le pauvre. On va le chercher et après, on va pouvoir créer notre équipage. Nous deviendrons les rois des pirates. On sera un équipage de 3 rois de pirates, d'accord? Je sais plus où ils ont foutu la prison. Oh, c'est quoi cet endroit? Wesh, t'es mal, Vortex. Oh, wesh. T'es mal à dinguerie. Attends, remonte sur le bateau. Wesh, attends, on a découvert un truc de fou là. C'est quoi ici? Wesh, hey, j'ai pas envie de m'avancer là-dedans. Ah, mais non, va pas là-bas avec le bateau. Et eux, ils vont. Mais wesh, ils sont paumés. Il y a un mec là, on peut dire que ici c'est notre maison, mais qui voudrait habiter ici, frérot? Ici que tu t'entraînes et tu reviens un an plus tard, tout stock. Mais t'as un baiser toi. Oui, c'est pas la même équipe de base. Tiens, ah, je suis tombé dans l'eau. Je vais te défoncer, hein. Reviens. Attends. Eh, je vais dedans. Non. Impel Down, Nico. C'est ici que se trouve Termini. Allons le sortir de ce mauvais pas. Je l'ai juré sur ma vie qu'on allait le sauver. On va juste trouver où est-ce qu'il est enfermé. Wesh, les mecs. Termini. Les mecs. On t'entend, mais on te voit pas.
Viens, c'est moi, je l'ai vu, bien. Les mecs, venez m'aider, wesh. Oh, il est là. Il y a les prisonniers là, il casse les couilles, il veut pas me laisser passer. Termini, est-ce que t'as besoin de quoi que ce soit? Bon, en vrai, là, juste que tu viens de m'aider, moi. Ok, bon, on arrive. Ok, let's go. Bon, c'est bon, je connais cette prison comme ma poche. Je suis resté pendant 7 ans à cause d'une affaire sombre. Ma tête doit m'y Ouais, c'est vrai. Ok, salut les petits poteaux. Hop là, toi, tu dégages. On va sauver Termini. Regarde comment je vais faire voler lui. Regarde comment je vais faire voler. Fais les voler. Oh, il y a Termini qui est en train de se battre là-bas. Un petit coup de main, c'est terminé. Ah, la tête est de moi. Terminé, hop, il serait temps de commencer à partir. C'est bon, go se casser les mecs. Ok, on s'en va. Les gars, je me sacrifie. Non, je rigole, j'arrive. Faut faire très attention aux gardiens. Les gars, petite anecdote, ici, j'avais trouvé le fruit de Luffy. Il était là. Petite anecdote, je vous la donne en vif. Je me mets en acquis aussi. Il y a mon cousin, attendez, je vais l'aider. Yeko, on ira le chercher plus tard, t'inquiète. Hey, il y a Warden. Viens, on le défonce. On se les fait avant de partir. Oh, lui il m'a cassé les couilles. Mais Yeko, tu t'as plus que moi. Toi, tu pars en prison, wesh. Oh, force du soleil. Les gars, j'ai 100 HP et je retourne au bateau, les frérots. Colonne de feu. Eh, les gars, je suis mort. Bah, tu mets tous les dégâts sur moi. Hein. Oh, j'ai obtenu le chapeau d'Usopp, les gars. Quoi, j'ai pété le chapeau d'Usopp. Comment t'as le chapeau d'Usopp? Mais dingue. T'es mal, j'ai le chapeau d'Usopp. Je l'ai pété au gardien, Oh là là, mais attends, mais ils font mal, ceux-là. Les gars, on a plus le temps, là, faut qu'on se barre. Hasta luego, Imperuda, on est... Eh, hey, on nous a pété un autre bateau. Bah viens, on vole. Regarde-moi comment... Mais Termini, il peut pas voler. Mec, je viens d'apprendre une nouvelle technique. Quoi, tu peux voler? Oh, ouais, je viens de l'apprendre. J'ai appris en prison, les gars. Jure, on peut tous voler. J'ai appris ça, là, en prison, les mecs. On l'a appris en zombie. Oh là là, la dinguerie. Attendez, venez, d'abord, on doit créer notre équipage, les gars. On va pas le créer au Heps, wesh. Oh, si, justement, c'est encore mieux. Si. On l'appelle tueur de cops. Non, on sera Los Potos Hermanos. Créé non inapproprié. Oh, Potos, ça passe pas. J'ai pas mis Los Putos. Ok, au pire, Joy Boys. C'est ouais, bon, c'est... ok, on est les Joy Boys. Prime d'équipage, elle est quand même bien. On a quand même une prime d'équipage à 588 000. Les gars, il faut savoir que j'ai trouvé un ennemi extrêmement redoutable. Il avait tué mon prédécesseur en termes de fruits du démon. C'est l'amiral Akainu. Voilà, il est sur une île pleine de lave et de magma. Est-ce que vous voulez aller vous le faire? Mec, on est les Joy Boys, on est obligés, frère. Ok, vous voyez cette petite île là-bas avec un petit nuage au-dessus en forme de volcan? Ouais. Et bah c'est là-bas. En avant! Ceci est une mission pour les Joy Boys. Oh, on a trop de flow comme ça. On a trop de flow, on est tous en train de voler. Oh là là, avec la lune et tout. Non, on a trop de flow, les gars. Je suis désolé. C'est une aventure de fou. On a trop de flow. Ah, moi, je suis en hélicoptère, moi. Hélicoptère. Par contre, elle est loin, l'île. Ah, l'île, gros, je t'ai dit, c'est dans les ténèbres de la map. Hein. Le jour se lève. Oh, c'est quoi cette île là? J'étais déjà passé sur cette île, je crois, dans la première vidéo. Et je crois qu'il y a un petit boss sur qui je dois me péta. Lui, je devais me péta contre lui. Il a un coffre de fou. Hop là, voilà mon pote. Et maintenant, j'ai les capacités. De te défoncer! Vengeance! Oh là là, mais oh là là, les Joy Boys te défoncent! BOOM! Et bah voilà! T'es mort! Désolé les gars, c'était une affaire personnelle. Oh, c'est par où là? L'île, elle est là-bas! En avant! Wouhou! Mais les gars, je vous préviens que là, vraiment, c'est un adversaire de taille. Je sais même pas si les Joy Boys vont pouvoir en venir à bout. On va réussir à en avoir à bout. Ouais, y a un bateau de fou. Hop là, je suis à l'arrivée, les amis. Il se passe quoi sur cette île? Attendez, mais what? Un équipage adverse. Oh, il a le fruit du Bouddha. Oh là, on est arrivé en enfer. Bienvenue à tous. Attendez, je vais le jurer. Non mais aouh! Mais la gère pas du tout! Casse-lui la gueule! Elle va nous péta! Y'en a un qui a le fruit d'Akainu également! J'ai dit, on vient en paix! Non! Pas moi! Ouais, elle a dit ok. Ok, c'est bon, j'ai dit ok! Aouh! Attention toi avec ton magma là! Eh lui, viens pas en paix lui hein! Tu viens wesh, pas en route, paix, elle... Quentin! Wesh, la route elle fait mal! Wesh, hein. wesh, il m'envoie son lait délicieux! Wesh! Mais lui, attends, il cherche des problèmes lui! T'es malade ou quoi, Quentin? Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Voilà! T'es un fou furieux, Quentin! Tu veux faire le fou avec les Joy Boys? Bon, les gars, est-ce que vous voulez que je vous présente le boss Akainu? Wesh, les gars, je suis dans le volcan, ça, merde. Bon, bah, toi, t'es déjà parti. Bon, toi, t'y es déjà, en fait, d'accord. Mais en fait, elle a déjà tué. Elle m'a dit, j'ai marchandé un peu avec elle, j'ai parlé un peu. Elle m'a dit, elle vient de tuer Akainu. Ouais. Bon bah le travail est déjà fait. Bah voilà, on est venu ici pour rien. On leur vole leur bateau. On leur vole leur bateau de fou. Viens Yiko, vite.
J'arrive, c'est où? Oh alors, pétale en boat. Mais quelle idée de génie. Je suis prêt à conduire. Vas-y, j'arrive sur le bateau. Hop là. Allez, Yeko, viens. Oh, je suis là. On prend les canons. On prend les canons. Bam. Elle passera à autre chose. Elle m'a dit, c'est bon, je me suis vengé de ses affaires personnelles. Mais nous, on doit toujours se le faire. On reviendra dans quelques temps quand lui se sera régénéré et nous, on sera beaucoup plus fort. Mais esprit shonen, Yeko, j'aime bien tout ça. Elle m'a dit qu'elle a galéré face à lui alors qu'elle est 20 fois plus forte que nous. Donc, on s'entraîne un peu. Ouais, 20 fois plus forte que nous, je sais pas. Hein. Non, je suis juste RP. Bon. D'accord. Regarde, tellement RP, je dors. Je suis le maître du monde. Mais non, mais reviens. Tu vois pas tes maths aspects, reviens là, toi. Et c'est bon. Sinon, je suis jamais allé à l'île Fontaine là-bas. Face à la mer, j'aurais pu mourir. Face contre terre. Je suis le gardien. Il navigue ce bateau, merde. Mais asseyez-vous, merde. Mais oh, tant qu'on est pas je dans l'eau. Je vais à toutes les deux secondes pour attraper quelqu'un. Mais on peut ne pas s'asseoir. Yeko, c'est bon, bouge plus, t'es parfait là. Je m'arrête toutes les deux secondes pour attraper un mec. Yeko, le rat. Ok, c'est Water 7, les amis. Bienvenue. La ville des charpentiers, let's go. Peut-être qu'on pourrait avoir un bateau de fou. Oh, y'a Iceberg. Y'a Iceberg ici. Wesh. Oh, what the fuck. Oh, on peut se battre contre Franky au niveau 675. Mais attendez, venez, on va voir Franky. Les gars, faut trouver Franky. Super Franky. Oh, il est là. Wesh. À la Franky House. Attends, je lui pète un coffre. Attends, mais il a l'air surpuissant, le frérot. Franky, on est des grands fans. Super. Ah. Wow. Écoute, je voulais pas me battre du tout en venant ici, mais si tu cherches tes ennuis, tu vas aller te trouver. On le défonce. Oh, oh quoi. Wesh, c'est... Wesh. Attends, il y a eu un gigapé là. Il a pété. Il m'a tapé dessus là. Il t'a tapé dessus. Wesh. Wow, il me tire des trucs de fou. Fusion du soleil. Prends-toi ça, Frankito. Aïe, mais il me fait trop mal. Wesh. Genre, mais ouais, il t'a retape dessus. Mais j'ai arrêté de m'approcher, moi. Oh là, mais attends, il est surpuissant. Non, mais les gars, il est... Oh, mais frère. Il t'a tué. Fais danser. Ouais. Oni, guiri. Ah, raté. Démon. Slash. Ah, je rigolais. Oh, je suis obligé de mettre tout... Oh là là. Il m'a pété dessus. Mais le frère. Non mais c'est trop grave. Non mais c'est quoi ce boss de malade là. Bon les gars, je crois qu'il faut être réaliste. On n'arrivera jamais à se le faire là. Ah, c'est un Mugi frère, il est chaud. C'est un Mugiwara. Après si on tue un Mugiwara, peut-être que notre prime elle va considérablement augmenter. Ok. Oh. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le faire tomber. Colonne de feu. Ah wow. Super soleil. Non mais je l'ai entendu taper loin. Je l'entends loin son paix, frère. Dégage. Attention au paix. Il va pas tarder à péter. On a pré-shot le fart. Colonne de feu. J'ai fait un barbecue. Désolé, les gars. Oh, démon slash. Il va falloir lui faire une attaque combinée, les gars. Il va falloir allier nos fruits du démon. À 3, vous lui mettez votre meilleure attaque à distance, d'accord. 1, 2... 3 Joy Boys. Ah bah il a repris toute sa vie. Bon bah super. Bon les gars, on se casse. On se taille. Repli. Le bateau. Oh putain. Oh putain, le bateau a disparu. Non. Il nous pète dessus. Courez. Fuyez. Pourquoi il y a un escape game là. Ah. Mais pourquoi il y a un death run. Ah. Oh, c'est bon, il m'a traumatisé. Je veux quelqu'un de moins fort. Mais les gars, promis, on évoluera. Les amis, le combat d'aujourd'hui opposera Yeko le rat à Termidi, l'hélicoptère. Ah mais précise que je suis un pirate depuis pas longtemps ici, t'as vu. Ouais, t'inquiète, t'es un pirate depuis pas longtemps, c'est vrai. En Wookie. Allez, 3, 2, 1, c'est un affrontement de fou que je veux voir, les amis. Entre Yeko et Termidi. Non mais Yeko, qu'est-ce que c'est pas moi qu'il faut venir taper. Mais c'est pas moi. Oh là là, Termidi, l'homme au un sabre. Attends, il est mis qu'on est allié. Oh là là, vas-y Yeko, la technique de Sanji. Vas-y, tu peux. Regarde comment j'ai le parboulé, regarde. Oh là là, Ambre. Est-ce que tu l'as enlevé de la vie? Un petit peu. Oh là là, on voit des techniques de fou. Oh là là, la technique à un sabre. Oh. Oh là là, il enchaîne deux coups. Yeko sait quand même se défendre. Oh là là, oh c'est un mauvais coup ça. Ouille.
Aïe, oh non, Yeko qui trépasse. Non. Go. Ton prochain adversaire, ce sera moi. Ok, mec. Ça perce Yoko. Et salut, Termini, la bomba. Tu feras moins le malin dans ma spirale de feu. Hasta luego. Est-ce que tu as déjà eu vent du soleil? Hé, je te vois récupérer ta vie, là. Boum. La force du soleil, mais maintenant, il est temps que je sorte les sabres. Oh, Demon Slash. J'ai le meilleur vue possible, là. C'est un drone, Yoko, c'est un drone. Boum. Et encore, t'en veux encore, et boum. Boum. Et la colonne de feu. Wouhou. Jure, ça t'a pas fini, t'en demandes. Le soleil. Wesh, mais comment t'es pas mort? Y'a eu un gagnant? Y'a eu un gagnant, bah je crois que j'ai gagné, hein. Je sais pas, hein, je t'avais vraiment foutu un HP. Hein. Ah gros, pas du tout. C'est toi un HP, hein. Bah frère, moi je voyais un HP, hein. Yeko, détermine le gagnant, bah, c'était ouais, toi l'arbitre. La barre, elle montrait que Termidi, il avait le titre rouge à la fin, et que Gizmo, il avait le vert. Hein. Le vert? Ah, ouais, 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 moi, j'étais dans le vert, hein. Ça va, Termidi? Tu deviendras plus fort que moi un jour. En tout cas, les amis, c'était une première pour le nouvel équipage. Les Joy Boys seront de retour très prochainement. Comment ça va, mon Paco? Salut, ça va, Gizmo? Désolé, j'étais bloqué à une pelle d'Inde. Merci de m'avoir évadé. Eh bah, tu sais quoi, moi, ça me fait plaisir, hein. J'adore recruter des membres talentueux dans mon équipage sur Blox Fruit. Fruit. Alors, déjà, attends. Montrons un petit peu aux gens tes capacités, là, dis donc. T'as un fruit du démon? T'as quelque chose? Déjà, je vois, t'as 3 sabres. Ok, c'est très simple. Alors, j'ai 3 sabres et un fruit du démon. Tout ça pour faire de la boxe. Ah, je te prends à la boxe avec ma Diable Jumble. Non, je rigole, je suis un sabreur. Bien stylé, dis donc, j'adore tes lames noires comme ça. Oh, wesh, stylé, t'as le fruit de Smoker. Tu as débloqué le fruit de la chicha. J'ai le fruit de la chicha, j'ai le fruit de Jamel. J'ai le fruit de Jamel à la chicha. Bon, écoutez, parce que là, les gens, ils doivent rien comprendre. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi, d'accord? Je vais t'emmener accomplir une quête assez secrète. D'ailleurs, peut-être que vous ne la connaissez pas. Aujourd'hui, je vais t'emmener voir un boss secret où il faut faire toute une petite série de quêtes pour le débloquer et avoir son arme. Mais je ne te dirai pas. C'est Midas? C'est le boss Midas en or. Ouais. On se rejoint à la maison sur le lac. Bon allez, suis-moi, tu dois commencer à me suivre. On va déjà commencer par aller sur l'île des singes. Abonnez-vous à la chaîne de Paco. Je profite qu'il soit parti chercher à manger pour vous le dire. Y'a même pas de quoi se payer un vrai skin. Abonnez-vous à sa chaîne, les gars. Elle est en description. Est-ce que t'es prêt pour aller sur l'île? Ok, d'accord. Ok, autant pour moi. Allons sur l'île des singes. On se fait attaquer. Oh, tu... Je me suis fait goumer, voilà. Oh, tu t'es fait goumer en l'air. Il y a des méchants. Alerte aux méchants. Je suis de retour sur YouTube, c'est fini. Paco, suis-moi. Je vais te montrer déjà une petite pièce secrète. Elle sera très utile. Tu te souviens de ce petit bonhomme là qui nous donne une quête? Ouais, Coco, le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Y'a les boys. Alors regarde, cette pièce pour l'instant, elle est normale à tes yeux. Ouais. Sauf que moi en fait, je vois quelque chose que toi tu ne vois pas encore. Il va falloir activer des petits boutons tous cachés sur l'île. Ouais. Je te jure, c'est une quête secrète de fou. Oh non, mais c'est incroyable parce que j'en avais vu plein, je savais pas que c'est des boutons. Maintenant, nous allons devoir retourner à la pièce que je t'ai montrée tout à l'heure. Ok, nous revoilà à la pièce. Oh, il y a une pièce secrète. Ah, tu vois le trou? Ouais. Eh bien, allons dans le trou. Je suis dans le trou déjà. Un petit coffre. Ok, regarde ça. La terre de sable. Les terres de sable. Ma maison est debout. Il faut apporter la lumière à la maison. Donc je t'invite à prendre cette torche. Normalement, on a la torche. C'est un item qui nous servira, d'accord? Ok, super. Des terres de sable. Je pense que nous devons aller à Alabasta, la ville du désert. Oh, le bateau de bâtard! Bateau! Ok, les amis, direction Alabasta. À quoi vont nous servir ces torches? Peut-être que je le sais déjà. À nous torcher! Ouais! Ouais! Ça, Denis Brognard avec le truc là. Ah! Non, tu l'as pas. Y a pas quelqu'un qui l'a plus mal fait sur Terre que toi. Ok, je pense que c'est par là-bas. Je crois voir, oui. Je crois voir un bout de la pyramide. Ce n'est que le début de notre aventure, Paco. Y a plus de voiles sur le bateau que de membres de notre équipage. Oui, c'est vrai. Nos membres de l'équipage sont en train de roupiller. Bienvenue à Alabasta, Paco. Merci. Nous devons trouver une maison dans laquelle nous pouvons entrer pour apporter la lumière à l'intérieur. Mais de quelle maison s'agit-il? Tu te diriges peut-être au hasard direction cette maison. Je me dirige peut-être au hasard. Entrons. Oh, on s'y attendait pas. Viens avec moi. Oh là là, nous devons mettre le feu à ceci. Apportons la lumière. Ça brûle. C'est beau. Oh, c'est bon. Ah, c'est... Ça s'est ouvert. Oh là là, regarde, il y a une petite coupe à prendre. Si tu cherches le pouvoir, tu le trouveras non loin de là. Remplis la tasse d'une fuite, laisse seule dans le froid comme Nathalie. Mais vous trouverez également Nathalie non loin de là. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade. Nous devons remplir cette tasse
avec de l'eau d'une fuite. Je dois t'avouer quelque chose. Au village gelé, une fois, j'avais aperçu un homme qui avait très soif. C'est pas celui qui veut nous arnaquer là ? Non, il est juste à côté. T'as jamais vu ce petit mec là dans une maison ? Il disait qu'il avait soif. Je m'intéresse pas aux mecs gentils, ils sont trop gentils. En tout cas, je pense que la suite de notre aventure se trouve au village gelé où se trouve le Yeti. En vrai, je pense que ça peut se faire, mais le Yeti, il va pas trop bien m'accueillir. La dernière fois, je lui ai cassé la gueule. C'est vrai que, attends, je crois que j'ai toujours sa tête moi dans mon. Oui, j'ai toujours sa tête. Ouais, j'ai un bateau qui nous attaque ! Dans la vie de ma mère ! On doit pas perdre les tasses ! Ils sont en train de nous attaquer ! Attends, ok, laisse-moi deux secondes. Jamais ! Ah, dites-moi, viens ! Je me frère ! Bah attends ! J'ai un peu du démon, je peux pas. Moi aussi, mais attends, les losers, wesh. Ah, il est en train de nous agresser, il a le même fruit que moi. Non mais Paco, mais reviens, qu'est-ce que tu fais? Bon écoute, on va en finir sur Alabasta. Lui, il commence à me saouler, il est monté sur notre bateau, hein. Il est en train de nous péter le bateau. C'est pas grave, il nous a pété à notre bateau. Attends. Non mais on est pas assez rapide. Attends, au pire, on prend son bateau, il nous a volé le nôtre, on vole le sien. C'est pas ces petits avortons qui vont nous empêcher de faire notre aventure. Ok, alors déjà, attends, je vais aller te présenter le mec qui a soif. J'ai tellement soif. Il faut hydrater cet homme. Mais d'abord, il faut aller remplir la coupe. Viens avec moi, on va pouvoir la remplir ici. Il y a une fuite d'eau, il faut se mettre en dessous les stalactites. Voilà. Oui. Et là, normalement, ça remplit. Voilà, c'est parfait. Notre tasse est remplie. Oh, le rat, il va chercher le coffre. Maintenant, nous avons assez pour abreuver le vieil homme. Tenez, monsieur, buvez, mon brave. Salut, Stickman. Merci beaucoup. Rencontrez mon fils, je suis sûr qu'il vous récompensera. Votre fils, je connais son fils. Ah, oh, me dis pas que c'est l'arnaqueur. Non, c'est pas l'arnaqueur. Son fils, normalement, il traîne toujours vers l'île aux pirates. Oh, à côté de chez Baggy. Ouais, exactement. Reprenons le bateau, les amis. Cette aventure, elle est cool, les gars. C'est plein de petits indices, une petite quête comme on les aime. Ouais, c'est clair. Tout ça pour... Oh là là, tu vas être choqué en plus de ce qu'il va y avoir à la fin de cette quête. Alors, si tu me dis qu'il n'y a pas Nami... Alors, je vais vous récompenser pour avoir aidé mon père à boire de l'eau. Alors, du coup, je vous donne Nami. Non, laissez-moi. Non, allez, ferme-la, Nami, putain. Ça va, frérot, toi, t'es vraiment pas tout seul dans ta tête. L'île des pirates en vue. Tenez-vous prêts et sortez-vous les doigts du... fût de bière. Non, je bois pas d'alcool. Bon, bah, sors-les-toi de ton cul, alors. Ok. Il me semble que son fils est un homme riche qui traîne par ici. Il traîne souvent dans les faubourgs. Attention à Baggy le clown. C'est Richman. Richman. C'est Richman. Homme riche, genre il a pas d'identité, il est juste vu par sa position sociétale. Il a la qualité de posséder de l'argent. Salut Son Goku, ça va ? Hop, on peut lui parler. Merci d'avoir aidé mon père, mais un chef de la mafia a volé tout mon argent. Mais il est possible, Richman alors. S'il vous plaît, trouvez-le et retirez-le le plus tôt possible pour que je puisse vous récompenser. Il va falloir aller trouver un vieux chef de la mafia. Il y en a pas des mille. Baggy ? Non, mais je vais aller me le faire quand même. J'active mon haki. Salut Baggy le clown. Hop là, en quelques coups de lame. Tu die. Oh là là, je suis devenu tellement puissant. Alors par contre, le plus dur, ça va être de trouver l'île de ce mec de la mafia parce que c'est un homme très prudent. Si tu dis ça, j'imagine que tu la connais déjà. Je sais pas où elle est. Je sais plus où elle est, mais on va la trouver. Mais reste sur le bateau parce que si tu tombes, je te jure, je te cogne. Oh mais si, c'est bon, elle est là. Ok, vraiment, je te jure que j'ai pas fait exprès, mais elle est vraiment juste devant nous. Comme par hasard. Non mais je te jure. Les miracles des vidéos. Les miracles. Je te jure, j'avais oublié. Normalement, à l'intérieur de cette grotte se trouve le chef de la mafia qu'on doit éliminer. Il est là. Salut, hombre. En deux trois coups de lame, tu es à moi. Oh là là, mais les gars, bon, je suis trop fort. Je suis juste trop fort. Hop là, plus 2300 de thunes. Let's go. Tu es super fort. Où est notre bateau? Il est où le bateau? Bateau. Ah les bâtards, ils nous ont volé notre bateau. En plus, je suis les mains dans les poches en mode « Ah les bâtards !» J'étudie la situation et je vois qu'on est dans la merde. Et bah moi, j'aime pas la nuit, du coup, je fais un soleil. Ah super, réchauffement climatique, bravo. Après, on va se taper tous les vegans dans les commentaires. Oh non. Pas les vegans. Pas les vegans. Et là, ils crient tous en se prenant le soleil. Non, concombre. Non, tu es pas les concombres. Bon, allez, c'est parti, allons retourner voir Richman, il va nous récompenser. Maintenant, tu es de nouveau Richman. Merci d'avoir récupéré mon argent. Tu peux garder cette ancienne relique comme récompense. Une ancienne relique. Et la relique, on en met nous. L'ancienne relique, c'est tout simplement pour déverrouiller une porte qui était là sous nos yeux depuis le début. Nous devons retourner à l'île des singes. De retour sur l'île des singes. Allez, capitaine, on attaque à l'abordage. Mais non, Paco, non. Là, on est en paix. Nous sommes venus en paix aujourd'hui. Il va voir Peter Pan, fils de pute. Paco,
Nico, là tu sais que c'est la dernière étape de notre aventure. Là les amis, c'est le moment de liker avant de découvrir la clé de toute cette histoire. Suis-moi Paco et arme-toi de ta relique. On va faire un truc, je vais t'envoyer dans tes commentaires un max de personnes dire qu'ils viennent de la part de Paco avec le hashtag relique. Par contre toi, tu vas envoyer les tiens avec le hashtag relique dans mes commentaires et dire qu'ils viennent de ta part. Et on va voir si c'est le capitaine ou le vice-capitaine. Bah les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez tous dans la vidéo de Paco marquée hashtag relique. Là j'espère que tu t'es expérimenté parce que là on va devoir affronter un boss. Oui enfin Paco. Arrête de courir et de zigzaguer frérot parce que... J'ai vu trop d'hommes. Je la vois. Tu la vois, hop là, tu ouvres la... Oh, attention, attention, attention. T'as pas réussi? Le passage te rejette, tu n'es pas encore prêt. Non, j'ai fait non, tout ça pour t'es rien. Pas encore prêt, mais non. Mais si, je suis prêt, les gars. Je savais pas qu'il fallait avoir un niveau. Voilà, super, merci Gizmo. Non, mais Paco, je suis désolé. Je pensais voilà. Que tu pouvais le faire. Je ne suis pas prêt. Et tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur là? Ah bah si, si, je vois à travers les murs. Tu peux m'appeler X-Ray. Bon bah profite bien du boss, hein. Moi, je vais taper mon tacos. D'accord. Ici va apparaître un boss que tu connais très certainement. Les amis, le boss dont je vous parle depuis le début de la vidéo est juste derrière moi. 3, 2... Hein, il ne s'agit nul autre que de Shanks le Roux, les amis, un des pirates les plus puissants de One Piece. C'est à mon tour de l'affronter grâce à ma Diable Jumble. Et là, tu te fais un claquage. Et là, je me fais un claquage. Non, mais dégage. Oh, il va me le voler. Wesh, non, mais ils sont tous sur lui, mais comme par hasard. Il n'y a jamais personne sur lui. Dégage de là. C'est mon Shanks. Tu comprends ce que je te dis? C'est mon Shanks. Je vais le défoncer. C'est mon Shanks à moi. Toi, tu dégages. Barre de là, voilà. Aïe, oh là là. Oh, Shanks, il m'en veut. Shanks, il m'en veut. Je vais te défoncer. Grâce au fruit de Ace. Attends, mais il y a encore un autre gars, mais va-t'en de là, toi. Ok, Shanks, il est à moi, j'en ai plus rien à faire. Shanks, c'est à moi. Voilà, c'est bon, je l'ai eu, les gars. Les amis, j'ai pu avoir, du coup, 5000 de primes grâce au fait que j'ai tué Shanks. Et il m'a drop également son sabre, les amis. J'ai le sabre de Shanks, épée légendaire, les amis. Équipons-le pour voir un petit peu ce que ça donne, les gars. Ah, il me remercie. Eh bah, écoute, je t'en prie. Ok, c'est un peu stylé. Mais mine de rien, je préfère l'autre sabre. Il est moche, celui-là. En vrai, celui-là, il est casual de fou, en fait. Il me va bien au teint. Oh, mais ouais, mon bateau. Je mens, c'est pas mon bateau. Mais j'aurais bien aimé leur voler. Et hop là, il fait jour. Eh, mais les gars, j'avais pas vu. Mais en fait, j'ai carrément trop bien développé mon haki. Du coup, j'ai carrément tout le corps pratiquement en haki de l'armement. Et ça, c'est plutôt stylé. Quand je dégaine mon épée, hop là. Qu'est-ce qu'il y a, Monkey? Oh, Monkey, c'est one tap, hein. Bon, les amis, aujourd'hui, je suis ici pour découvrir un nouveau fruit, parce que souvenez-vous, j'avais trouvé tout simplement le fruit du caoutchouc, le fruit de Luffy, les gars, et c'est pas rien, parce que Luffy, c'est quand même le caractère principal. Mais oh, ça va, oui. Wow, Diable Jumble. Hop là, va dans l'eau, c'est ça. Les amis, Luffy, c'est pas n'importe qui, d'accord. C'est quand même le capitaine des Mugiwara. Et regardez, hop là, si je vais dans mes items, regardez ce que j'ai trouvé, dis donc. Le fruit du caoutchouc, ici. Je me souviens, je l'avais trouvé à Impel Down, il traînait par terre. Pour l'instant, je ne peux pas le sortir de mon inventaire, parce qu'il fallait attendre d'atteindre la mer 2. Enfin, l'océan 2, pas la merde. Et il fallait atteindre l'océan 2, les amis, pour tout simplement sortir ce fruit de mon inventaire et pouvoir l'utiliser. Bah, c'est ce qu'on va faire. Bonjour, monsieur, je viens vous prendre un petit bateau. On va aller tout simplement à la seconde mer, les amis. Parce que là, j'ai le fruit de la porte, les gars. Je sais même pas comment je suis arrivé avec ce fruit. On m'a arnaqué. J'avais le fruit de la flamme, gros. J'avais le fruit du feu. Puis un jour, je me suis réveillé. J'avais le fruit de la porte. Oh, c'est bon. Je suis pas menuisier, moi. Moi, à la base, je voulais être tout feu, tout flamme. Mais bon, là, on sera tout caoutchouc. Et les gars, j'ai envie de tester une expérience avec le fruit du caoutchouc. Parce que comme vous le savez, les amis, il y a Ener. Ener qui a le pouvoir de la foudre. Sauf que normalement, la foudre n'est pas censée fonctionner contre le caoutchouc. Donc, on ira ensuite tout en haut là-bas sur Skypea pour affronter Ener, voir s'il nous fait des dégâts ou pas. Bon, en attendant, moi, il faut que je trouve la petite madame là, dis donc. Elle est où celle qui doit m'emmener là sur l'île? Je sais jamais de quel côté elle est. Ah bah voilà, bonjour. Bonjour. Ah non, c'est un monsieur, autant pour moi. Est-ce que vous pouvez m'emmener à la seconde mer, s'il vous plaît? Et boum, nickel. On arrive directement à la seconde mer, les amis. Les gars, je viens tout juste d'y arriver hein, parce que comme vous pouvez le voir, je suis niveau 710 et il fallait niveau 700 pour l'atteindre. Donc là, ici, les gars, je vous jure, ça rigole pas. Ils sont tous très très méchants ici. Bon, les amis, on va tout simplement dire au revoir au fruit de la porte. C'est dommage hein, parce que regardez, je pouvais me... Hop là, je prends des portes dimensionnelles, là personne me voit, je suis invisible. Et hop là, je ressors ici. Même pour le couloir, regardez, je peux me TP ici, hop là. Mais bon, on va dire au revoir à ce joli petit fruit. De toute façon, il est pas très cher, il est pas très rare. On va peut-être le reprendre un jour si je le veux. Hop, en attendant, on va aller tout simplement dans nos items, les amis. On prend le fruit du caoutchouc. Hop là, on y va ici. Oh, regardez-le, il est tout bouing bouing, il est tout bouing bouing. Et on va le manger, les amis. C'est parti, on mange le fruit du caoutchouc. Ok, boum, le fruit du caoutchouc. Bon, pour l'instant. Oh, je peux envoyer une patate si loin. Pouh.
jure, mais c'est incroyable. Attendez. Les gars, il faut qu'on fasse XP. Mais attendez, mais j'ai combien de niveaux avec ce fruit? Donc déjà, j'ai au niveau 25, c'est le canon. Niveau 50, c'est le smash. 125, c'est le rush. Et je peux me transformer au niveau 225. Ok. Et il y a une petite technique lance-pierre au niveau 80. D'accord. Bon bah les gars, il va falloir qu'on XP tout ça, les amis. Et quelle bonne manière d'XP que de tuer des ennemis avec le fruit du démon. Sauf que on va les commencer un petit peu avec ça. Mais attendez, ça me fait mal quand il me tape. Ouh là là, oui. Bah oui. Hop là, un petit coup d'épée. Hop là, on va essayer de leur foutre une patate. Wow! Patate! Oh les gars, mais ça va si loin! Patate! Oh là 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 là! Oh, regardez tous les niveaux que je gagne d'un coup, c'est incroyable! Je suis niveau 32, voilà. Let's go! 32, bon déjà, j'ai activé le canon, les gars. C'est quoi le canon? C'est quoi? Oh, d'accord! Ça met ses points en arrière, mais les gars, c'est trop stylé! C'est trop stylé! Hop, la technique en attendant. Oh, ok, d'accord, il est un peu trop loin. Je te pète un et bouya! On va essayer le canon sur lui, les gars. Technique du canon! Pouh! Oh, les gars, ça lui met du moins 900! Mais attendez, mais c'est cheaté, on peut se faire trop des. Wow! Tu dégages! Mais les gars, ça les envoie tellement loin! Ça les envoie tellement loin, c'est un truc de fou! Et le canon! Pow! Non, mais les gars, on peut trop se faire d'ennemis comme ça! Oui! Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est vous, c'est ça? Oh les gars, mais en plus, ça les renvoie les deux en même temps? Non, mais les gars, c'est cheaté! Je vous le dis solennellement! Wow! Oh là 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 là! Non, mais attendez, je vais faire des techniques de fou furieux! On peut se faire tous les ennemis à distance, c'est parfait! Le canon! Bouya! Let's go! On passe niveau 44, les gars, j'ai hâte de voir la technique du smash, là, un petit peu. Les gars, une fois que j'aurai pas mal de techniques, on pourra aller affronter Ener, les gars. Hop là, on va essayer de faire un petit peu un max de dégâts avec les techniques de l'épée, comme ça, on va pouvoir les finir avec le fruit du démon. Calmate! Oh là 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 là, la puissance! Una patate pour vous deux! Ok, on a débloqué la technique du smash. Alors, je suis curieux de voir la technique du smash. On va la tester sur lui, tiens. Hein? Tu m'as l'air bien nul, toi. Alors, voyons voir la technique du smash. C'est quoi? Oh là là. Oh, je me suis mis en mode je sais pas quoi là, je vais quoi? Je vais taper une pointe. Oh, d'accord, ok, la technique du smash, c'est quand ils sont vraiment à côté de moi. Et j'imagine que ça doit les propulser pas mal en l'air. On va essayer de faire en sorte qu'ils me courent tous après. Salut, toi aussi, viens là, hop là. Je les attire dans mon piège, les amis. Ok, on va utiliser le smash. Ok, on utilise le smash sur eux et boum. Mais non, ça a pas marché. Ok, il faut vraiment que je sois au sol en fait. Ok, on va utiliser le smash maintenant. Boum. Mais ça n'a rien fait. Comment ça, ça n'a rien fait? C'est sorti un coup de pied ultime du ciel. Pourquoi? Ah bah si, quand même, le smash il fonctionne. Il fait 1100 de dégâts quand même. Oh. Bon, les gars, attendez, je vais peut-être aller essayer d'XP sur d'autres persos parce que eux ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Dégagez de ma propriété. Et si j'allais me faire les petits gars de Water 7? Peut-être même, les gars, que je pourrais finir Franky avec un coup de poing du Mugiwara. Là voilà, les amis, la belle île de Water 7. On va aller se faire des petits mercenaires d'abord avant d'aller se taper Franky, histoire de level up un peu mon fruit. Parce que là, j'ai envie de débloquer le rush, les amis. Je sais pas ce que c'est. Et aussi, on aura la technique du lance-pierre à avoir. Boum. Et de 1. Aïe! Et le deuxième, tu veux ta patate aussi? C'est ça? Boum! Niveau 60 tennis! On XP! Ok, on est passé niveau 80! Voyons voir un petit peu la technique du lance-pierre, c'est quoi ça? Oh là là, oh là là! Qu'est-ce qu'on fait là? Wow! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie, les gars! Wesh, mais c'est incroyable la technique du lance-pierre! On peut s'envoyer n'importe où! Ok, est-ce qu'on peut aller jusque là-bas? Wow! Wesh, mais ça, attends, ça peut nous envoyer si loin. Est-ce qu'on peut le faire dans les airs comme ça sans s'accrocher à rien? Genre, on part comme ça directement et pouf, est-ce qu'on peut atteindre l'océan? Ah non? Bah alors? Mais imaginons, je veux monter là-bas, moi. Imaginons, j'ai envie de monter tout là-haut. Est-ce que je peux? Ok, je me tends au max et pouf! Wow! La dingue! Wesh, je suis parti si haut! Oh la dinguerie! Oh le truc de malade! Oh bah je t'ai jamais venu ici, tiens, dis donc. Oh bah y'a un petit coffre sympa. Wow, mais attendez, mais c'est une dinguerie ce truc là! Wow, et pareil pour aller en bas? Wouhou! Oh la dinguerie! Ah non, c'est une dinguerie, je peux trop m'amuser avec ça. Oh, salut vous! Attendez, si je le fais sur un ennemi, vous pensez ça marche? Et paf! Oh ouais, je peux les défoncer comme ça, mais c'est un truc de malade! La 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 la! La technique du lance-pierre! Oh, j'évade! Oh là là, je m'évade! Oh, et je le défonce! Oh là là, la dinguerie! Hop là, patate! La patate sur Franky! Ouh, lance-pierre! Oh, c'est une dinguerie! Bouya! Super! Bon, les gars, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Je lui ai pas enlevé trop de vie. Wesh, il m'a tapé dessus, c'est bon! Wouah, j'ai eu peur. J'ai eu si peur. Les amis, je change de direction pour aller à Skypea. Au moins là-bas, je pourrais réunir les ennemis et les terrasser en un seul coup. Les gars, je rêve toujours de prendre la cascade avec mon bateau. Je peux pas. Pourquoi ça fait pas comme dans One Piece? Est-ce que je peux au moins me balancer jusque là-haut? Wouhou, pas trop. Le canon. Oh là là, ah ouais, je les défonce. Vous allez me laisser monter, oui? Je veux aller sur l'île du dessus. Allez, on va se le tenter. On fait petit saut, lance-pierre. Est-ce que le lance-pierre m'emmènera là-bas? Peut-être.
Non, non. Non mais c'est horrible. C'est quoi ce bateau de fou? Wouah, il va si vite. Attendez, wesh. Oui, j'ai volé un bateau qui va si vite, les gars. Wouah, fou, oh la fusée. Oh la fusée de dingue. Oh, c'était pas prévu, ça. Oh, il est incroyable, ce bateau. Mais attends, mais ça, c'est les gens qui payent pour avoir ça, je reconnais. Mais comment je suis censé monter? Bah, il y a un petit... Il y a quelqu'un, ici? Oh, boutique? Bon, un scientifique fou, mais je l'avais jamais vu. J'ai passé mes années de recherche pour enseigner à chaque course les pouvoirs de l'électrique. Attends, quoi? Veux-tu apprendre le style de combat électrique pour 500 000? Ce style te permet de choquer tes adversaires avec des attaques électriques et possède 3 compétences spéciales. Bah oui. Oh, mais non, mais du coup, ça m'a enlevé mon... Wouah, attendez, par contre, j'ai peut-être une dinguerie, là. Wesh, mais attendez, j'ai le caoutchouc et l'électricité en même temps. Mais par contre, ça m'a enlevé ma technique de Sanji avec ma jambe de feu. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même du flow. Wow, j'ai réussi! Jure, je pensais pas y arriver! À nous bientôt la technique du rush, je suis curieux de voir ce qu'elle donne. Regardez un peu ce que je viens de débloquer! Je viens de débloquer la technique du rush! Les gars, c'est trop stylé. Imaginez, attendez, on va faire une situation réelle. Hop là, toi tu viens vers moi, hop là, voilà, viens aussi, toi aussi. Imaginez que vous êtes assailli de plein d'ennemis! Vous pourrez vous en sortir grâce à cette technique. Je veux vous montrer la technique du rush et bam 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 bam! La technique du rush est tout simplement un maximum de patates dans leur poire et bam! Après vous pouvez arriver sur eux et vous pouvez enchaîner avec les techniques du smash. La technique du lance-pierre aussi qui peut... Oh là là, bah, ils m'ont tous tapé aussi. Ouais, bah 5 sur moi, les gars, je pouvais rien faire. Eh, mais... Non. Mon skin. Oh putain, oh non, quel dommage. C'était une belle occasion, en plus ils étaient tous ici. Concentrés. Un concentré de petits skypeyens. Et boum, technique du lance-pierre. Wow, ça les dégage tellement loin et... Boum, vous dégagez de mon île. On va aller affronter Ener dans cette tenue. On va voir, les gars, du coup, si ça marche. On va voir si on résiste à ces dégâts. Haki plus fruit du caoutchouc, les gars. Il y a moyen qu'on subisse 0 dégâts. S'ils ont pensé à ça, c'est incroyable. Mais un peu de cheaté, du coup, pour celui qui a ce fruit. Wow, on est parti si loin. En avant, Ener est tout là-bas. Oh, bah j'ai pas réussi à me prendre. Énerve mon petit pote. Attendez, ça fait quoi le rush en première personne? Et bam 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 bam. Bon, normalement les gars, ces attaques devraient pas nous faire trop de mal. En théorie, c'est la théorie du caoutchouc. Bon, nous par contre, attends, c'est moi ou ces attaques ne lui... Nos attaques elles lui font rien? Et ses attaques quoi? On lui fait 0 dégâts? On lui fait 0 dégâts et lui ses attaques elles nous en font? Non mais là c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers les gars. Ça ne marche pas, je suis très très déçu. À savoir que je... Non! Dégage! Je suis très déçu par ton comportement énerve! Tu m'énerves! Oh là là, mais va-t'en! Oh là là, j'ai contré! Oh! Ah non, bah je pensais avoir contré une de ces techniques, mais en fait pas du tout. Bon bah les amis, on a notre réponse. Le boss Ener, tout simplement, il me défonce, même si j'ai du caoutchouc. Et les amis, comme vous pouvez le voir, il reste une maîtrise à apprendre. La maîtrise de la transformation. Mais ça les amis, il faudra regarder les prochaines vidéos sur Bloxfruit pour la découvrir. Et oui, c'est une technique marketing. Mais en attendant, on a quand même pu découvrir 4 nouvelles techniques. Et je pense que ma préférée, c'est quand même entre le canon comme ça, la pow. Ou alors, le lance Pierre, wouhou! Hop là, on redescend. Je sais pas du tout où je vais redescendre. J'espère qu'il y a pas trop de flotte en bas. C'est où les îles? Il me faut des îles. Ah bah c'était là-bas, Skypeya. Aujourd'hui, les amis, on m'a parlé de quelque chose de très très intéressant sur Bloxfruit. Déjà, regardez les amis. Regardez mon haki, les gars. Le haki de l'armement. Il a pris tout mon corps. C'est incroyable. Et même, il embaume ma lame. Oh là là, salut toi mon pote. Je vais te défoncer. Je te défie directement. Ah bah il est mort récemment. Je peux pas l'attaquer. Mais pauvre petit père. Voilà, je te vole tes kills au moins. Ah les gars, je suis un pirate impitoyable sur ce jeu. Les Joy Boys. Les amis, j'en profite pour vous dire un petit truc. Vous pouvez rejoindre mon Discord, les gars, qui sera en description. Et on va pouvoir faire un recrutement de fou, les amis. Où on va pouvoir former enfin notre équipage complet. Je prendrai les meilleures candidatures, les meilleurs fruits du démon, les meilleurs niveaux d'entre vous. Donc rejoignez le Discord et en description. Bon, voilà, en gros, on est arrivé en haut de cette petite montagne. Voilà, salut. Et regardez, il y a Usopp qui est juste ici, les amis. Usopp qui va pouvoir nous apprendre le pouvoir de l'observation, les amis. Le haki de l'observation qui va nous permettre normalement de voir dans le futur. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, l'ordre de destruction, parlez. J'ai coulé d'innombrables navires de guerre. Les gens me craignent en tant que seigneur de la destruction et veulent apprendre l'observation de l'homme le plus fort. Bah oui, moi je veux bien, mon pote. La puissance de l'observation te permet de sentir la présence des autres ainsi que de voir partiellement dans le futur pour esquiver les mouvements. Incroyable, les amis, on va pouvoir voir dans le futur. Ton observation sera faible tout d'abord. Ok, d'accord, donc donc à force de l'entraîner, les amis, on va pouvoir gagner en puissance avec notre acquis de l'observation. C'est ce que je comprends. Donc on va pouvoir détecter des ennemis de très loin et en même temps pouvoir prédire l'avenir. Et bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Vas-y, j'espère qu'il nous ment pas là, Usopp. Okay, veux-tu acheter la capacité d'observation? Pourquoi 750 000 $? Par ailleurs, les esquives marchent mieux sur les mobs. Ok, d'accord. Donc, bah écoutez, on va.
va apprendre. Ça marche mieux sur les bots que sur les vrais joueurs. Et ben, on va quand même tester les deux, les amis. Je vais quand même l'entraîner, ce pouvoir de l'observation. Allez, c'est parti, on va l'apprendre. Appuie sur E ou K pour l'activer. D'accord, ok, c'est parfait. Bon, là, on a été débité, les amis. Ok, ah ouais, ça nous met dans une sorte de monde parallèle un petit peu. Ok, c'est très très stylé, les gars. C'est très très cool. Oh, j'ai hâte de le tester. Bah, attendez, on va aller le tester tout de suite sur les joueurs. J'ai très hâte. Alors, les petits potes. Oh, ok, bah alors pour l'instant, ok, d'accord, donc ça me le met en rouge. Mais je sais pas trop ce que ça me fait en plus. Oh, attendez, j'ai cru voir un petit truc dodge. J'ai peut-être dodge une de ses attaques. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Ça nous permet de voir dans le futur. Je vois pas comment on voit dans le futur. Comment ça voir dans le futur? Je pensais que ça allait nous mettre un petit peu de ce qui se passait dans le futur. Bon, les amis, on se retrouve quelques niveaux plus tard. J'ai pu entraîner un petit peu mon acquis de l'observation et je vais vous montrer ça. Oh là là, il y a un mec avec le fruit du léopard derrière. Il fait flipper. C'est le dernier fruit. Allez hop là. On met notre petit acquis de l'armement et c'est parti. On va aller chercher une petite quête pour se faire quelques petits méchants. On va se faire quoi? Diamond. On a le niveau pour Diamond, les amis. Si vous avez regardé One Piece, vous savez qu'à Dressrosa, il y avait un méchant qui s'appelait Diamond. C'était un des subordonnés de la Don Quixote Family. Et on va laisser le faire. Faut juste que je trouve où il est. Normalement, il est au Coliseum. Et toi là, tu sais où il est Diamond, mon pote? Où est notre petit Diamond? Hop, on prend les petits coffres en même temps. On crache pas sur 2600 d'oseille. Wow, mais attendez, mais c'est la guerre ici. C'est la guerre. Wow, ça se péta. Oh, ça se péta fort. Ah, mais c'est le léopard, il casse tout. Tiens, voilà, prends ça. Ouais, ok, il m'a arraché. Il m'a défoncé. Il m'a juste carrément pété la tronche. Méchant léopard, c'est pas cool de faire ça aux gens. Je suis un honnête genre, moi. Bon, allez, on va aller voir où il est, ce boss, là, les amis. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu le acquis de l'observation sur ce boss. Bah, c'est pas là. Mais normalement, le Diamond, je l'aurais bien vu sur le truc du Coliseum, non? Friendly 1v1. Ah, mais non, mais c'est encore un autre endroit, comme on avait fait avec Echo et Termidi. Ah, c'est pas vraiment... D'accord, ok, c'est pas vraiment un endroit à boss. Ok, bah, on va aller le chercher. Où est-ce que tu peux être, Diamond? Wouhou! Les gars, je sais pas, normalement, il est forcément dans cette partie-là de la map. Après, on ira explorer, les amis. On ira explorer un petit peu plus en profondeur. Parce que là, je suis arrivé à la mer 2. Enfin, à l'océan 2. Pas arrivé à la merde. Non, je suis arrivé à l'océan 2. Et du coup, il y a plein de choses, les amis, que je n'ai pas encore vraiment explorées. Il me reste beaucoup de choses à voir. Et après, il y a encore un océan 3. Et à ce qui paraît, un océan 4, les amis, vient d'être mis accessible. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Et pour l'instant, on reste un petit peu avec le fruit du Gomu Gomuno. Parce que j'ai quand même envie d'avoir la transformation, les gars. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Du coup, j'ai pas pu encore accéder à la transformation. Il faut que je sois niveau 225 avec mon fruit et c'est très compliqué. Parce que là, je suis que niveau 146. Je peux pas prendre encore ses quêtes à lui. J'ai pas encore le niveau Jérémy. Ah ouais, il faut que j'ai 100 niveaux de plus pour me taper Jérémy. Mais c'est qui Jérémy? Je sais pas qui est Jérémy, moi. C'est un gars du lycée, c'est quoi? C'est qui Jérémy? Je sais pas trop. Il y a des malfrats ici. Voilà, hein. Oh, il y a des malfrats, mais je vois aucun signe du boss Diamond. Donc eux, normalement, il faudra que j'aille me les faire une fois que j'aurai fait le boss. En théorie. Il est pas caché là dans les buissons? Je sais pas où il est. Oh là là, mais oh là, ça se péta les gars. Je sais pas. Vous savez que j'ai un peu envie de changer de fruit. Parce que les gars, avant j'avais le fruit de Ace, les gars. J'avais le fruit des flammes et ça me permettait de ne pas sentir les coups d'épée. Les bots me transperçaient juste en fait, mais ça me faisait zéro dégâts. Alors que là, bah avec le fruit de Luffy, bah ils me font quand même un peu mal. Mais j'ai envie, les gars, pour vous, c'est vraiment pour vous que je garde ce fruit. J'ai vraiment envie d'avoir la transformation au niveau 225 et après je sais qu'on peut atteindre le gear seconde et même peut-être le gear 5, les amis. Bon, il est pas par là, quelque part par là, sur des hauteurs, je sais pas. Personne peut me dire où il est. Bon, en tout cas, on a trouvé un petit coffre bleu et ça fait plaisir. Hop là. Pour plus 7000. Allez, merci beaucoup. Oh mais c'est quoi ici? Oh what, y a un passage secret sous la terre. Mais il est peut-être là le boss. Attendez, quoi? Attendez. Donc là c'est les méchants de bas étage, on est d'accord. Ok, c'est les premiers de l'océan 2. Et là, il y a un petit passage secret. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Mais ouais, mais on arrive où? Oh, il y a un petit PNJ. Oh, c'est quoi? Ah, mais non, c'est juste de l'eau pour prendre des bateaux et tout. Oh, d'accord. Ah, mais merci pour les petits confettis. Mais bon, bateau rapide, gratuit. Vous ne possédez pas ce pass de jeu. Mais je vais peut-être le prendre, le pass de jeu, un de ces quatre, moi, vous allez voir. Moi aussi, je veux des trucs stylés. Bon, on va aller quand même voir ce qui se passe à l'autre bout de cette grotte. Je suis curieux. Peut-être qu'on trouvera le boss Diamond. Le Diamond de boss. Oh, mythico le matériel, les gars. J'ai gagné un truc mythique, des confettis. Bah, merci. Ça fait plaisir. Je sais pas à quoi ça va me servir. Hein. Peut-être ça va être un truc de fou. Je vais attendre le Gear 5 en confetti, je sais pas. Bon bah en fait c'était juste un tunnel je crois. Hein. Je me suis embêté un petit peu pour rien les gars. Bon bah ouais bah en fait on arrive juste à l'autre bout de l'île je crois. Ouais c'est ça en fait on arrive à l'autre bout. Oh mais y a un petit bateau ici. Oh c'est les bateaux des riches. Ça je reconnais, c'est les bateaux qui vont super vite. Ouhouhou, la fusée des mers, c'est moi. Je suis la fusée des mers. Wow, bon on va retourner de l'autre côté les gars. Oh, hop là. Écoutez on va retourner de l'autre côté. Y a rien d'intéressant. En attendant je trouve pas le boss. Est-ce qu'il est le boss Diamond? J'ai envie d'utiliser mon haki de l'armement et mon haki de l'observation contre lui. Mais les gars, j'ai hâte. Est-ce que les gars, je pourrais débloquer un jour le haki des rois? C'est la question que je me pose. Je veux le haki des rois et je veux que les adversaires tombent sous mon regard. C'est ça que je veux. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a du caca en haut là. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'en vois un qui est pas abonné. Il va se prendre un Gomu Gomu no coup de pied dans ses fesses. Bon, les gars, je viens de me souvenir de quelque chose. C'est que j'ai vu tout à l'heure un petit endroit avec des tournesols et ça me rappelle un petit truc dans One Piece. Oh oui, là-bas. Je pense qu'il y a moyen que ce soit là-bas, les gars. Là-bas, c'est un endroit à boss. En vrai, on l'a survolé tout à l'heure. C'est un endroit. Oh bah, ça se bagarre en plus. Ça se bagarre. Quelqu'un veut me voler mon boss Diamond? Ça va pas se passer comme ça, les gars. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de se battre avec lui. Ça ne se passera pas comme ça. Oh, il est là, c'est le boss Diamond.
Wow, petit... Ok les gars, regardez comment ça esquive les coups, je prédis à venir. Oh, 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 ouais, ouais, mais c'est pas encore super performant parce que je vous rappelle que c'est un boss les gars. On va essayer de le confronter, bon là on est à deux sur lui et je crois que le frérot il a le fruit de la porte. Ah ouais, il a le fruit de la porte, c'est un fruit que j'avais testé en plus avant. Oh, dégage, c'est mon raté, c'est mon raté, c'est mon boss. À l'aide, oh là là, hop là on teste. Non, j'ai pas eu le temps de tester. Bon l'autre il est toujours en train de se battre avec, il a fui avec le truc de la porte. Cas, j'ai débloqué un nouveau titre. Ouais. Mais attendez, mais il marche pas du tout là mon acquis de l'observation là. Attendez, je comprends pas. Il va falloir que je le traîne les gars. Il va falloir que je l'entraîne un petit peu, que je le performe. Wow. On va quand même avoir un acquis de l'observation de fou moi. Je veux être Katakuri, c'est bon. Je veux avoir la même capacité que Katakuri. Oh c'est bon, il est midlife. Ok, on le défonce un petit peu. Ok, là normalement j'esquive. Hop là, oh j'ai esquivé qu'une fois. Mais non. Oh là là, je pense qu'il faut que je bouge en même temps les gars. Je pense que c'est ça la strat. Oh là là, mais il m'a défoncé dans les airs. Mais attendez, mais j'ai pas du tout le niveau pour ce boss. Comment je vais faire? J'ai pas du tout le niveau. Pourquoi ils m'ont dit d'aller le combattre? Je dois me surpasser. Je ne tomberai plus jamais face à un adversaire. Oh, bah, j'ai pas réussi à accrocher le bord. Je reviens pour toi, Diamond. Tu vas laisser l'île de Dressrosa en paix avec ton patron misérable. Viens là mon pote. Hop là, je te défonce. Oh mais il a repris toute sa vie. Mais quoi? Mais comment je vais faire? Je suis censé faire comment? Et je vais la jouer à distance avec les coups de poing de Luffy. On va la jouer à distance. Oh. Wow, mais il m'a fait si mal, il m'a enlevé moins 600 d'un coup. Dégage, laisse-moi tranquille. Oh là là, mais il m'envoie des trucs de fou. Lui, il est chaud, lui. Lui, c'est un chaud de la lame, lui. Je me souviens. Oh là là, mais il vient. Oh là là, mais il me défonce. Il me fait beaucoup plus mal que moi, je ne lui fais mal. Hop là, coup du lance-pierre. Oh, j'ai débloqué un nouveau titre, The Shadow. Oh là là, mais il me défonce, les gars, il me défonce. J'ai l'impression qu'il prend pas mes coups. Mais prends ça, mais les gars, je vais même pas enlever la moitié de sa vie encore. Dégage. Non. Oh là là, il m'a fait si mal, les gars. J'ai plus que 100 de santé. Laisse-moi fuir. Attends, laisse-moi me reposer. Mais non. Il est trop dur ce boss, c'est grave. Mais je n'abandonnerai pas. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks. Viens par là, que je te casse ta grosse tronche de cake. Oh mais il a repris toute sa vie encore. Mais les gars, mais là, c'est pas possible. Le jeu est contre moi. Oh bah ça, salut. En m'envoyant l'air, bonjour, j'ai trouvé un petit coffre. Hop là, plus 6000, ça fait plaisir. Et je te tombe dessus. Oh. Non, j'ai pas réussi. Oh, j'esquive. Oh là là. Je m'en fous, je vais entraîner mon armement et mon observation et je viendrai. Crois-moi, aïe. Je reviendrai. Maintenant, les gars, on va voir un petit peu ce que ça vaut contre des vrais joueurs. Je vais essayer d'emmener des vrais joueurs un peu se combattre dehors à l'extérieur là. Venez, j'ai envie de tester mon acquis de l'observation sur des vrais joueurs. Parce qu'il disait que ça marchait mieux sur des bots que sur des vrais joueurs. Mais du coup, on va voir comment ça marche un petit peu. Viens là, toi. Viens. Oh, alors, toi. Tu reviens. Arrête de fuir. J'ai très mal visé. Viens là. Comment il a réussi à m'échapper? Mais il s'est évaporé. Il se cache sous les ponts. Mais les gars, mais il s'est vraiment évaporé. Mais c'est un malade ce mec. Je voulais tester contre des joueurs. Oh, je vais tester contre lui. Viens là. Viens m'affronter, toi. Tu as sûrement un niveau beaucoup plus élevé que moi. Mais viens m'affronter. Allez, viens là. Ok, là. Oh, j'ai réussi à dodge son attaque. Oh là là. Pas l'autre. Ouais, il m'a enlevé moins 2400. Aïe, il est deux fois plus élevé que moi, lui. Bon, bah, en tout cas, ça va. J'ai réussi à esquiver une de ses attaques. Et c'était une attaque de fruit du démon, les gars. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup XP. J'en ai profité, les amis. Je suis passé du niveau 750 au 875, les amis. Et j'ai débloqué une nouvelle île. Oh là là. Oh, il y a un recruteur de la marine. Mais toi, mais. Tiens, voilà. Jamais je ne serai du côté des marines, d'accord? Je resterai un pirate toute ma vie. Allez, c'est parti, les amis. On va aller voir un petit peu. Oui. Bah, on va y aller normal. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Oh, bah, salut, toi. C'est qui, toi? Blockster, mais t'es qui toi? Je te connais pas. Salut. Bah salut. La météo est bonne aujourd'hui. Bah ouais, je suis d'accord, bref. Mais toi, mais tu mériterais des patates, toi. Tiens, grosse patate. Bon les amis, vous allez voir, j'ai pu développer un petit peu mon acquis de l'observation. Je suis devenu beaucoup plus puissant qu'auparavant. Alors, voyons voir le petit monsieur qui donne des quêtes là. Eh, je vais me battre contre qui aujourd'hui, monsieur? Monsieur. Oh, c'est un Marine Quest Giver. Ok, on va se battre contre des lieutenants de la marine, des capitaines de marine et Farita. Qui c'est Farita? Je connais personne qui s'appelle Farita. Il faut être niveau 2925. Ok les gars, on va se train et on affrontera Farita. Ce sera le boss final. Je sais pas qui c'est Farita. Parce qu'il donne pas les vrais noms. Oh mais c'est quoi ça? Ouais, il se passe quoi ici? Attendez, mais ils sont buggés. Wow. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Wesh, mais attendez, mais il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi exactement au juste là? Il nous a fait quoi le frangin? Attendez, mais il se passe quoi là-bas? Mais attendez, mais pourquoi il y a plein de lieutenants de marine collés là? Attendez, mais moi j'en profite, je fais des kills, mais j'ai même pas les kills. Mais attendez, mais il se passe quoi là? On est tombé sur un cheater, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un cheater. Les gars, il vole, il est en mode V dans la map là, frérot. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non mais le frérot il... Mais oh wesh, mais c'est une Ferrari. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il nous fait là le frérot? Je comprends pas. Bon attendez, on va au moins essayer de s'en faire un quand même. Allez, hop là, regardez, je vais vous montrer un petit peu le acquis de l'observation. Regardez, je dodge beaucoup plus de coups et c'est impossible pour eux de m'avoir. Bon, au bout d'un moment voilà. Mais il faut que je bouge généralement, il faut que je bouge et que je les tape en même temps et généralement je suis intouchable. Mais attendez, par contre, il nous fait quoi le frérot là? Vraiment, on est tombé sur un cheater. Il fait spawn plusieurs lieutenants de la marine et il les défonce en l'air. Bizarre. Qu'est-ce qu'il nous fait le frérot? Mais qu'est-ce que tu fais toi? T'as de la chance que je puisse pas t'attaquer. Et what? Mais qu'est-ce qu'il nous fait le frangin là? Mais attendez, mais c'est qui? Mais c'est ça. Oh mais oui, mais ça...
Mais non, mais c'est impossible. C'est un tricheur. On est tombé sur un cheater, à l'aide. Hop là, toi, je vais te défoncer. Hop là, petit acquis de l'observation. Hop là. Bon, là, je l'ai épuisé un petit peu avant, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais c'est un malade. Oh, mais regardez, il en fait spawn plein. Et il est dézingue. C'est un cheater, les gars. C'est vraiment un. C'est un hacker. C'est un malade. Je vais changer de serve. Bon, les amis, j'ai pu XP un petit peu. J'ai changé de serve et j'ai XP un petit peu mes niveaux. Mais je me suis rappelé quelque chose, les gars. Je crois que j'avais vu Franky le cyborg posté à ce niveau-là. Donc peut-être qu'il aura une quête pour nous, les amis. Je sais pas du tout quel niveau il faut avoir pour accepter la quête de Franky. À quel moment il voudra nous parler. Mais on va aller voir ça. Alors normalement, il est posté à une des fenêtres, mais alors je sais plus laquelle. En avant, voir ça. Wouhouhou. Oh, je suis parti si haut. Hasta luego. Je suis l'homme des nuages. Franky, cyborg. Oh, ok. Normalement, il est. Ah, il est là. Franky el cyborg. Comment ça va, Frankito? Comment ça va? Depuis le temps. Tu te souviens, tu me faisais prout prout dessus. Alors, je suis occupé. Oh non, les gars, on a pas encore le niveau requis pour parler avec Franky. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Rappelle-toi quand même que je t'ai défoncé, voilà, à Water 7. À la prochaine. Les amis, avant d'aller voir Farita, les gars, je sais toujours pas qui c'est Farita. Les gars, le big boss, on va aller explorer un petit peu la ville. Et après, les gars, je vous montrerai le dernier boss. Voilà, on le découvrira ensemble. Allons voir ce qui se trame un petit peu dans cette ville. Wouhou! Oh, mais c'est sympa ici, je suis jamais venu là. Hop là, bonjour. Oh, bah, y a un petit PNJ. Trevor. Trevor, c'est qui Trevor? J'arrive pas à voir qui c'est du coup. Parlez, est-ce que je peux te parler? Sors d'ici avant que je te tue. Eh, bah, il est pas très amical, notre frérot là. Trevor, ça me rappelle personne. Ah, si, vu que c'est du côté de Don Quixote, de Don Flamingo, c'est peut-être Trébol, les gars. Né, Dofi. Voilà, c'est lui pour ceux qui le reconnaissent là, avec sa morvonnée dégueulasse. Ils auraient peut-être pu un peu mieux le faire parce que là, on dirait juste un Bob Lebowski. Allons voir, y a pas des petites quêtes à faire là, des petits trucs, des petits gens à voir. Oh, bah, tiens, bah, y'a un petit fruit du démon qui traîne par terre. Bah, alors, mais c'est quel fruit ça? Fruit haché. Ah, bah, je comprends pourquoi il est par terre, il est vraiment nul. Bon, bah, c'est pas grave, on va le store, hein, on sait jamais, ça peut toujours servir. Moi, je stocke. Et si on achetait un petit fruit, les gars, pour voir, juste pour voir. Des fois, on pourrait avoir de la chance, hein, qui sait. Fruit aléatoire, allez, vas-y, je te prends un petit fruit. Fruit de la pique? La picotie, la picota, mais qu'est-ce que je m'en fous, c'est nul. Allez, je le store quand même, on sait jamais. Un jour, peut-être, on pourra les vendre, je sais pas. Eh, mais j'ai pas mal de trucs dans mon inventaire, en vrai, j'ai pas mal de fruits, hein. Y a des fruits, les gars, que je garde. Y a des fruits que je garde pour vous les montrer un autre jour, peut-être. Alors, ici, oh, y a l'air d'avoir pas mal de quêtes ici. Bonjour, monsieur, quoi de neuf? Eh, bah, quoi de neuf, bah, ça va. Quel que soit le type avec qui Barbe Noire a été enterré, quoi? C'est un objet de collection, tu peux l'échanger contre un nouveau navire, un style mêlé, une fronde, un remboursement des stats, même un redémarrage de course. Mais de quoi il me parle là? Comment ça, Barbe Noire? Comment ça, enterré? Barbe Noire, il a été enterré, ça y est, il est mort. Je suis pas au courant de tout ça, moi. Salut frérot, êtes-vous nouveau sur cette île? Bah oui, bah c'est tout, d'accord. Et bah il a pas beaucoup de conversation, ce petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Oh, j'avais pas vu, mais les gars, mon haki de l'armement, il s'est même mis sur ma tête, les gars, c'est un truc de fou. Oh les gars, je suis bientôt en full haki, bientôt mes jambes aussi seront en full haki. Oh Bartolomeo, c'est le goat, les gars. Dieu merci, tu es là, les pirates des signes attaquent les villes pour empêcher de nouveaux combattants d'entrer dans le tournoi. Veux-tu aider à vaincre 50 des pirates signes? Mais oui. Sélectionner une quête, raid de Swan. Ok, on prend ça. Niveau, ok, 850, c'est parfait. Je peux en défier 50 et j'ai 35 millions d'XP. Mais merci frérot. Oh là 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 là. Oh bah let's go, mais on va s'en faire. Les gars, les pirates, je les défonce maintenant, je les connais eux. Les gars, j'ai XP pendant 1000 ans sur eux, les gars, vous allez voir. Si je me souviens bien, normalement les pirates des signes sont juste ici. C'est sur eux les gars, c'est sur eux que j'ai traîné le plus mon acquis de l'observation. Regardez, on peut les défoncer en 2 temps 3 mouvements maintenant. Oh là là, alors que je galérais contre eux avant. Oh là 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 là, on les défonce. Regardez-moi ça. Hop là, ils ne me touchent pas. Ils ne me touchent absolument pas maintenant avec mon acquis de l'observation des muertas. C'est un truc de fou. Regardez ça. Hop là, je passe autour d'eux. Là, c'est ça la vraie utilisation, les gars. C'est que je cours autour d'eux, je leur mets des coups d'épée et bam bam, ils savent où je suis. Et en même temps, avec le acquis de l'observation, ils ne peuvent pas me toucher. Regardez, on va essayer de les rameuter un peu tous là. Allez, venez, on va faire un petit groupe là. Allez, en avant. Hop là, j'esquive vos trucs. J'ai même pas besoin du acquis de l'observation pour esquiver vos petites attaques parce que vous êtes trop nuls. Allez, viens là toi aussi. Allez, les potes. Allez, voilà. Allez, on va faire un petit barbecue. Allez, c'est parti, les amis. On rentre dans le tas. Wouhou. Oh là 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 là. Aucun d'eux n'arrive à me toucher avec le acquis de l'observation. Je vois dans le futur. Ah, bon, ah bah, apparemment. Ouais, si, ils auraient quand même réussi. Au bout d'un moment, ils me lancent plein d'attaques simultanées, mais je les défonce. Quoi, toi, tu résistes encore? Mais dégage. Tu dégages maintenant. Je vais t'envoyer une mucha patata. Bon, les gars, du coup, de ce que j'ai compris, il faut que j'en défonce 50. Ouh. Mais j'ai une petite idée, les gars. Je pense que je vais mettre 25 Robux pour XP x2 dès que je vais avoir le truc de récompense. Comme ça va me faire un x2, ça ferait comme si j'en avais tué 100. Pas bête le bug, pas bête. On va XP de fou là. Merci Bartolomeo de me donner des petites quêtes comme ça, ça fait plaisir. Les gars, vous rendez pas compte, mais 35 millions d'XP, c'est beaucoup. Et là, du coup, je vais en gagner 70 millions. Et ça, c'est parfait. Et hop là, allez, plus que 20, les amis. Je les enchaîne tellement rapidement. Hop là, bah, un petit niveau, ça fait plaisir. Mais les gars, on va aller au niveau 926 là, comme ça, avec le double XP. Allez, les amis, c'est l'heure d'acheter le x2 pendant 15 minutes, les gars. Ça coûte 25 Robux, donc en vrai, ça va. Pendant 15 minutes, je fais x2 d'XP. Et là, c'est le moment d'aller se faire les derniers. Hop là, il m'en manque 7. Hop là, ça combat ici. Hop là, j'ai les défenses. Laisse-moi les 7 derniers. Allez, vous serez mes deux dernières victimes.
victime. Oh bah là, tout prend ça. Et hop, ok, et plus qu'un, allez. Et boum, ok, c'est parfait les gars, on a fini la tâche de Bartholoméo. Mais oh là là, regardez tous les niveaux qu'on gagne, c'est un truc de fou. Oh bah attendez, nouvelle quête disponible. Là je crois que c'est bon les gars, on a eu assez de niveaux pour aller atteindre le dernier boss les gars, le Farita. Je sais toujours pas qui c'est, on va aller voir ça ensemble les gars. On va aller déjà voir Bartholoméo les amis, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il va nous féliciter là, ou est-ce qu'il va nous donner une nouvelle quête, je sais pas. Il est où déjà? Hola Bartholoméo. Et bon travail maintenant pour leur chef, trouve-le et vainc Jérémy, l'utilisateur printemps. Ah bah d'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai déjà battu. En fait Jérémy les gars, c'est Doflamingo. Mais bah je l'ai déjà battu, bah je voulais pas montrer parce que c'était dans ma période XP de fou. Bon y'a quoi ici sinon là? Avant qu'on aille se faire Farita. Tu vois ces classements, ils affichent les meilleurs joueurs de ce jeu, je ne les gâcherai pas, c'est juste toi. C'est quoi ça? La prime et l'honneur augmente tes dégâts et ta défense en joueur contre joueur tous les 500 000 points. Veux-tu connaître tes boosts? Vas-y, fais voir, est-ce que j'ai des petits boosts? Actuellement à plus 0 de défense, plus 0 d'attaque. Et bah super. Allez, on va se téléporter jusque là-bas les amis. Allons affronter ce nouveau boss. Hop, déjà on va se mettre un petit peu, voilà, un petit peu de défense, voilà, parce que les boss généralement ils font très mal. Hop là, on se remet un petit peu de vie. Ok, allons accepter la quête. Salut mon petit pote, tu me reconnais? Waouh, mais j'ai trop de flow les gars, je suis en full acquis. Oh là 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 là. C'est trop stylé. Oh, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, c'est un cheval. C'est pas quoi? C'est pas quoi le chevalito? Ok, sélectionner une quête Farita. Let's go. Niveau 225. Oh là là, on gagne 19 millions. Ok, eh bah allons le voir. Oh là là, mais attendez, ça se bagarre là-bas. Il y en a qui balancent des météorites et tout. C'est les fous. Ok, c'est sûrement là-bas. C'est sûrement là-bas qu'est le boss. Allons voir ça. Wouhou! Salut les copains. Oh, ok, il est là. Wow, mais Farita, mais attendez, mais c'est qui? J'arrive pas à voir. Oh, mais c'est Fujitora. D'accord, c'est le fruit de la gravité et tout. Oh là là, c'est stylé, les gars, c'est Fujitora. Ah, mais je comprends pourquoi il s'appelle Farita maintenant. Bah, on va le défoncer grâce au haki de l'observation. Oh là là. Oh, j'esquive tous ses coups, mais en fait, je peux le défoncer si facilement. Mon haki de l'observation fonctionne. En même temps les gars, j'ai le haki de l'observation contre un mec qui est aveugle. Si c'est pas ironique, normal que je te défonce mon pote. Après Fujitora les gars, il est aveugle mais c'est un des plus puissants les gars. J'ai hâte de le voir en full puissance dans One Piece, ça va être incroyable. Mais c'est vrai qu'il fait tomber des météorites. Oh là là, par contre, oh là il m'a défoncé là. Oh là, il fait mal. Ah, il tape pas beaucoup mais quand il tape, il fait mal. Oh patate. Je vais te tenir à distance mon pote. J'ai pas envie que tu me fasses tomber des météorites dessus là. Et boum! Le coup du lance-pierre! Oh non, il m'a eu! Non! L'autre il va avoir le kill! Regardez, je l'ai mis tellement bas HP! Vite, il faut que j'y retourne! Avant que l'autre le tue à ma place! J'arrive, Fujitora! Où est-ce qu'il est? Oh, il est toujours là! Oh, c'est bon! Est-ce qu'il a repris toute sa vie? J'espère qu'il a pas repris toute sa vie! Non, c'est bon! On peut le défoncer! Allez, viens! Prends-toi ça, mon petit pote! On va te casser un d'eux! Bam! Oh là 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 là! Oh là là, mais il a plus du tout de vie, les gars! Je vais lui mettre le coup de pied! Attendez, je vais le finir! Un coup de poing! Bam! Oh là là, c'est bon, les gars! On a défoncé le boss final! Oh, c'est incroyable! On est devenu trop chaud! Oh, lui, il est en full haki! Oh, mais t'es en full haki, t'as même pas réussi à tuer Fujitora! Vas-y, je t'affronte! Je vais t'affronter, tu es mon prochain ennemi! Tu as voulu te faire Fujitora à ma place! Je vais te défoncer, mon pote! Allez, viens là! Voilà, moi je te défonce, moi! Avec l'observation, mon pote! Viens là! Oh, il fuit! Oh, le fuyard! Viens m'affronter, je te dis! T'es où? Oh, il veut se téléporter! Mais alors ça, tu téléporteras pas, mon pote! Bam! Oh, je l'ai envoyé dans l'eau. S'il a un fruit du démon, il meurt. Tu veux pas tomber dans l'eau, mon pote? Allez, reste dans l'eau. Oh non, il va atteindre le ponton. Je vais te défoncer. Tu vas mourir, oui. Mais les gars, je lui mets trop de dégâts. Allez, viens. Mais viens te battre au bout d'un moment. Allez, ah non, pas dans l'eau. Mais viens te battre, mais c'est un froussard de fou. Qu'est-ce que tu fais, toi? Viens là. Oh, t'as de la chance. Oh non, j'ai plus d'énergie. Oh là là, non. Il est parti où? Oh, il est parti tout là-bas. Je vais t'attraper. Mais non, ça m'a bloqué. Mais non, je l'ai perdu. J'ai perdu sa trace. Où est-ce que t'es? Bon bah les gars, je crois que je l'ai perdu. Hein. Il a fui, le fuyard. Il a vu ma puissance. Il a voulu fuir. Même mon haki de l'observation le détecte plus, il a dû fuir très très loin. Si tu t'abonnes pas, bam! Grosse patate dans ta tronche. C'est pas vrai, je rigole, je suis quelqu'un de gentil. Mais fais-le! Quand même, s'il te plaît. En tout cas les amis, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur Bloxroot pour vous montrer ma nouvelle transformation et une petite surprise juste après. Et ça devrait vous plaire les amis, ça va être incroyable. Les amis, j'ai tout simplement débloqué la nouvelle transformation de mon fruit. Le fruit du caoutchouc les amis. Regardez-moi ça, vous savez les attaques de base c'est ça. Regardez, j'ai la première attaque c'est ça. Bam! Ça prend un peu de temps, j'envoie mes petits bras, voilà, hop là. Ça prend un peu de temps, mais c'est cool. Et sinon, j'ai le smash aussi. Le smash, c'est que j'envoie mon pied en l'air et boum, je l'écrase. Et le rush, c'est les petites patates comme ça, voilà, hop là. Mais sauf qu'il me tape. J'ai pas le temps de le faire. Aïe, m'a blessé. Et ça, les amis, c'était mes attaques de base. Mais regardez, j'ai débloqué ma nouvelle transformation. Gear Second! Oh là là, regardez les gars, j'ai débloqué le Gear Second du fruit de Luffy. Le Gomu Gomu Nomi. C'est trop stylé. Et regardez ça, ça décuple la puissance de mes attaques. Piouf. Hop là, le coup de poing, il est vachement plus rapide les gars. Piouf. Et même la technique du canon. Bam. Ça l'envoie beaucoup plus loin les gars, et c'est un truc de fou. Regardez, avec la technique du smash, je peux me TP directement sur l'ennemi et boum, l'envoyer en l'air. Et regardez, je lui mets les 1000 patates là. Bam, 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 bam. C'est un truc de fou. Regardez, je les défonce.
Oh là là, ça va si vite. Hop là. Et technique du lance-pierre pour te finir. Waouh. Regardez ça les gars, c'est un truc de fou. C'est ma nouvelle transformation et je la trouve tout simplement incroyable. Elle est super bien faite les gars. On a la peau un petit peu rose comme Luffy. La fumée évidemment. Bon là ils ont un peu abusé sur la fumée quand même. Ils ont un petit peu abusé mais c'est quand même trop trop stylé. Qu'est-ce qu'il y a à toi? T'en demande. Bam. Allez dégage, à la flotte. Boum. T'as pas compris ce que je t'ai dit? Tu veux un coup de smash? Et va boum. Voilà. Et tu veux que je te finisse comme ça? Bam, 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 bam. Oh, c'est un truc de fou. Là, je kiffe, là. Là, je kiffe jouer avec ce fruit. Bam, 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 j'esquive tout. Lance-pierre, bam. Oh, mais qui c'est, lui? Oh là là, oh, il a pas l'air sympa. Dégage. Mais vas-y, mais pourquoi ils viennent m'embêter? Ça, c'est que des mecs, ils sont super forts. Pourquoi à chaque fois, j'ai les premiers du surf qui viennent m'embêter? Tu vas voir. Gear seconde. Et lance-pierre. Oh, il m'a intercepté en vol. Bon bah les gars, j'ai pas encore le niveau pour me battre contre ce genre de joueur. Mais vous verrez, je vais arriver au max de Bloxfruit un jour. J'aurai le niveau max et je pourrai me confronter à des joueurs comme ça. Les amis, vous connaissez tous le Gear Second, mais est-ce que vous connaissez le Gear Fight? J'ai aussi débloqué cette transformation de fou. C'est parti. Et boum, les amis, le Gear Fight, regardez comment c'est magnifique. C'est trop stylé, regardez-moi cette transformation. J'ai le Gear 5 de Luffy. Qui n'est même pas sorti en animé, c'est sorti seulement dans les mangas. Wouhou. Bon les gars, en vrai, bon voilà, j'aurais tellement aimé que le Gear 5 soit vraiment sur le jeu, mais malheureusement c'est juste une tenue que je me suis faite. Mais quand même, en vrai, je la trouve méga stylée. En vrai, on a trop de flow comme ça, non? Regardez-la mieux comme ça, comment elle est belle. C'est trop stylé, je trouve. Je me suis même mis la petite barbe blanche, en vrai, ça passe trop bien. Mais les amis, c'est bien beau tout ça, mais j'ai un petit souci. Mais je vais aller dans l'océan 1 pour vous en parler. Les amis, c'est une alerte de la plus haute urgence. La marine a capturé Thermidy. Et nous, on doit aller le sauver. Mais je peux pas faire ça tout seul. Du coup, j'ai recruté un équipage de folie, les Joy Boys. Les gars, comment ça va? Oh là là, ils sont... Regardez-les, ils sont tous magnifiques. Déjà, regardez la prime d'équipage. 33 700 000, c'est un truc de fou. Avec mon second Paco aux trois sabres. Comment ça va, Paco? Ça va et toi, mon capitaine? La forme? Ça va super bien. Comme t'as vu, j'ai acquis une transformation de fou qui me permet d'éclater n'importe quel ennemi en un seul coup de poing. T'as mis du Vive Eldop, fixation béton sur tes cheveux. Oh yeah. Fou. C'est oh, trop stylé. Bam. Ok, et je vous présente tout mon nouvel équipage, les gars. Que des fous de la lame, que des fous du fruit du démon. Et y'a Yeko. Mais Yeko, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mec, j'ai envie de mettre mes mains dans les poches, je sais pas pourquoi. ça me fume. Les amis, aujourd'hui, la mission est très simple. Allez sauver notre ami Thermidy des griffes de la marine. Est-ce que vous êtes chaud? Sautez si vous êtes chaud. Et sautez si vous likez la vidéo. Let's go. Oh, ils sont encore plus haut. Ça veut dire likez la vidéo. Let's go. Moi, j'étais dans les égouts de Fleury, mec. Ouais. Il faisait du karting. Bam. Oh, pardon. Oh, je l'envoyais si haut. Excuse-moi. Désolé, mon pote, je t'aime. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. Les amis, on va prendre un bateau chacun. Vous sortez votre meilleur bateau, le plus gros, le plus menaçant, les amis. On va prendre un bateau chacun et je volerai le meilleur. Voilà. Je volerai le meilleur bateau. Oh, voilà. Bah, c'est celui-là, voilà. Ok, attends. Vas-y, laisse-moi conduire et rappelle un autre bateau. Attends, bah non, en fait, toi, tu vas rester avec moi. Hop, les gars, allez, descendez, allez prendre votre bateau, les gars. On va faire une vraie flotte. Attendez, partez pas. Hein. Oh là là, non, on vous attend là. Allez, prenez une vraie flotte, les gars. On va faire une flotte de fou. De bateaux de malade. Oh là là, quel équipage de zinzin. Moi, j'ai le Sunny. Oh là là, Yeko, il est street ton bateau un peu. Ah, celui-là, oh là, bah, je monte avec lui. Oh lui, il a le traîneau du Père Noël. Attendez. Les gars, venez tous vous mettre à côté de moi, les gars. On va se mettre en ligne, prêt à attaquer. Oh là 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 là, ça va être trop stylé. On va armer les canons, les gars, ça va être incroyable. On va tous aller vers Marineford. On va les défoncer. Oh là 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 là, mais il y a juste le Père Noël qui est avec nous là. C'est de... Je suis mort. C'est bon, tout le monde a son bateau. Les gars, bateau. C'est parti, suivez-moi. Go vers Marineford. Ok, l'équipage. Oh là là, mais regarde-moi cet équipage. Arrête des Joy Boys. Hop là, je fais juste un petit tour là, juste histoire de flex. Parce que. Oh, le Père Noël. Oh, il nous rentre dedans. Oh, allez. Oh, Yuko. Oh. Allez, c'est parti, les gars. En route vers Marineford, on y va. Ils vont pas être prêts, les gars. Il va falloir qu'on s'arrête pile poil là où je vous le dirai, d'accord? On va aller sauver Thermidy des griffes de la marine. Et vous n'attaquez pas tant que vous vous le dites pas, les gars. Exactement. Suivez les ordres du capitaine. Voilà, mais Père Noël, c'est pas la première fois qu'on va le sauver, lui, wesh. Il se fait tout le temps attraper, wesh. Ah, c'est Thermidy, hein. C'est une grenouille, frère. À part les nénuphars, il connaît pas la street. Oh, wesh, la D, wesh. Oh, la D, wesh. Ouais, Marineford, on est là. Marineford, on est là. Bandit, la vie de ma mère. Accueille-nous, je te défonce. La vie de ma mère, accueille-nous. Aokiji, en vrai, Aokiji, t'as un bon, je te kiffe. Mais tu vois, je vais te mettre une patate quand même. Mais pourquoi y'a le Père Noël qui me fait des avances derrière là? Ok, on s'arrête. Le signe devant, on va pas trop loin. Ok, les gars, on s'arrête tous en ligne. Ok, les gars, venez tous à mon niveau. Ok, recule un petit peu le signe. À l'horizontale, comme ça, on va leur mettre des coups de canon. Let's go. Canon, on canonne Marineford, c'est parti. Boum.
Oh là là, attention, j'ai tapé. Vas-y, vas-y, tente-toi la banane. Ok, on y va. Les amis, je veux voir. Oh là, attendez, je suis tombé dans le bateau. Ok, les gars, on va pouvoir y aller. On met un pied sur la terre, les gars. Je veux voir les plus gros fruits du démon en action. Allez, on y va. Wow, allez-y, les gars, à l'attaque. Wow, on balance ces ténèbres sur Marineford. Sauvez le soldat Termidi. Sauvez Termidi, les gars. Défoncez tous les soldats de la marine. 5. C'est parti, les gars. Oh là 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 là. Il faut trouver Termidi déjà. Oh là là. Ok, il faut aller faire l'amiral. Ok, je développe mon acquis de l'armement. Je vais aller affronter l'amiral. Où est-ce qu'il est? Il est pas là. L'amiral a fui sûrement. Les gars, il faut défoncer tous les amiraux, les gars. C'est parti. Oh là là, ça tremble dans tous les sens. Hop là, en 3 coups d'épée, je te tue. Go, mon. Oh là là, c'est trop stylé. Comme ça, vous êtes les meilleurs. Wow, oh, la bataille de géants là-bas. Oh mais les gars, c'est Marineford. Oh, la bataille au sommet, c'est un truc de fou. Les gars, je suis en l'air, je fais le guetteur. Ok, et boum. Moi, je les défonce. Comment on l'autre? Patate dans tes chicots. Boum. Boum. Oh, terminé, t'es là. Wesh, comment ça va la grande puce? On est venu te sauver, mon gars. Oh là là, c'est bon, y'a plus d'ennemis ici, y'a pas d'ennemis ici, les gars, arrêtez. Y'a plus d'ennemis, calmez-vous, les gars. Arrêtez, calmez-vous. Sortez-le-moi, toi, Jean. Oh là là, non. Oh, y'en a un qui m'a... Oh là là, on a pris un peu de dégâts, là. Oh là là, calmez-vous, les gars, arrêtez vos fruits, arrêtez tout. Non mais le léopard, mollo, tout doux le loup, tout doux. Termini, comment t'as fait pour survivre dans une prison pareille? Ah, sors-moi de là, j'en peux plus là. Oh, allez, monte sur un bateau. Attends, ils t'ont donné quoi à manger, Termi, là? Mais frère, ils m'ont envoyé chez Vegapunk, t'as vu, je suis une grenouille, un humain et un homme poisson en même temps. C'est vrai, il a une nageoire, regardez, il a un aileron de requin derrière. Ah, vous savez quoi, vu qu'il a déserté, on va aller chercher Akainu chez lui, les amis. On va aller se le faire chez lui directement sur l'île volcan. Les gars, on se remet tous dans les mêmes bateaux, on reprend tous nos bateaux respectifs. Allez, on reprend tous nos bateaux, c'est parti, les gars. Direction le volcan d'Akainu, on va aller le défoncer. Et on y va tous ensemble, les gars. Non, mais on va laisser Termini le tuer pour l'honneur, les gars. Vous allez juste encercler l'île. Suivez-moi. Attends, le bateau. Oh, Yeko. C'est la deuxième fois, On fonce sur le volcan d'Akainu. Nous allons détruire cette espèce de... lave. Grosse larve. Mais bon, y a un donut qui roule sur l'eau. Quelqu'un a perdu sa roue de secours. Putain, c'est celle de mon bateau, les gars, je suis désolé. J'ai cru que t'allais dire c'est celle de mon oncle, je sais pas pourquoi. Ok, les gars, juste ne venez pas sur l'île, d'accord? Juste encerclez l'île avec tous les bateaux. Ouais, encerclez l'île avec tous les bateaux, les gars. Paco, Yeko et Termidi, vous venez sur l'île, ok? Ok. Vas-y, je descends là, moi, si tu veux, je descends là. C'est parti. À l'attaque. Oh là là. Ce soir, c'est gâté. Ok, les gars, on se rejoint au début de l'île. Aïe, balancez pas votre magma, les gars. Ok, Paco, t'es là, Termini, t'es là. Yeko, les gars, restez sur vos bateaux. Faut pas attirer l'attention. Allez tous sur votre bateau, les gars. Allez tous sur votre bateau, les gars. C'était incroyable, merci pour votre participation. Mais on doit finir le travail tout seul. Entourez l'île avec les bateaux, les gars. On veut une pression permanente. Oh là là là, dinguerie. Envoyez les canons aussi. Termini, est-ce que t'es prêt à te venger, Termini? Ah frérot, c'est lui, il m'a foutu là-bas, là. Frérot, faut que je me venge. Ok, on va se le faire. Suivez-moi. Akainu. On arrive. Oh, il est là. Ok, Termini, c'est à toi de te le faire. On te regarde. Attends, les gars, on n'intervient pas. Attention, Paco. Je ne voulais pas intervenir. Termini, c'est à toi de te le faire, vas-y. T'en es capable. On te regarde. Attention à toi, il a des attaques de fou. Ouais, allez, si t'as besoin, Termini, tu nous dis. Hein. Ah, attends, tranquille, là c'est mon combat. Ok, vas-y. Non, c'est bon. On va t'aider un peu. On l'aide, on le défonce. Oh, je l'ai propulsé. Et boum. Oh là là, ok, vas-y, laissez-le moi, on en vient. Je vais venger mon ami Termini. Boum, grosse patate. Et lance-pierre. Boum, mon pote. Wow, attention, il attaque de fou. Et smash, punto gun. Ok, je vais lui faire la technique. Smash everybody. Je le défonce, les mille patates. Il est où? Oh, le fou. Et boum. C'est bon, je l'ai eu, les gars. Non, Paco. Non. Il a eu Paco. Pourquoi il pleut des trucs bizarres? Wesh. Faut qu'on sorte de là, les gars. Je vous jure, c'est pas normal. Ok, les gars, on sort d'ici, on se bat, on reprend la mer. Wow! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je suis parti pile à l'éruption du volcan. Oh la dinguerie. C'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. On repart pour le débrief. On repart à Middletown. J'arrive, le signe. Eh les gars, le dernier arrivé à Middletown. Sa mère, elle fait partie de la marine. Sa mère, elle s'est fait trouver comme Ace. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ouais.
Wesh, qu'est-ce qu'il dit, lui, il est fou. Non mais la vidéo, que je crois que ça va être moi le dernier en plus. Ah, j'ai la haine. Alors ta maman, elle a le fruit du feu. On prend les ailes dans un bateau. Oh, Yeko, c'est bon, t'as réussi à te poser. Avec ton sac poubelle sur le dos, là. Arrête, c'est une cape fait maison. Ah ouais, bah ça se voit. Je suis dans les égouts, mec. Oh les gars, on a bloqué. Oh, le bateau est bloqué. Fuyez. Oh là là, on se fait attaquer par des membres de Kainou. Allez, on retourne juste à Middletown, les gars, pour le débrief. Pour la fin, les amis, j'aimerais vous demander un truc. Tout l'équipage, vous allez vous mettre sur le carré central. Tout l'équipage, venez ici. Moi, j'ai envie que vous montrez votre puissance un petit peu à tout YouTube, là, pour qu'ils voient quand même. 1, 2, 3. C'est parti, l'attaque la plus puissante. Oh là 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 là, oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On a quand même un sacré équipage. On a un équipage de fou, les gars. On a peut-être le meilleur équipage de France. Oh là 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 là, ça c'est le vrai crew. Mais attendez, parce que là, on s'est quand même perdu de vue pendant pas mal de temps. Et vous avez des nouveaux fruits, des nouvelles techniques, à ce que je vois là, non? Frérot, là, tu vois mon épée? Mais c'est quoi ton épée de fou là, carrément? Non, c'est l'épée de base. Mais en fait, elle m'est inutile parce que moi, j'ai ça, mon ref. Oh, wesh, mais attends, mais wesh. Carrément, il a sorti un trident, il voulait plonger dans l'eau directement. Ouais, ça, ça attends, mais tu l'as eu où? Un frérot de l'équipage, il me l'a passé. Merci la famille. Merci à la famille, dédicace. Et toi, Yeko, maintenant on est frères de queue. Gaget, c'est moi, ma queue elle est cachée dans ma cam, Gaget, ça. Oh, ouais, mais attendez, mais vous avez tous des trucs de fou. Ça, c'est un Sam naturel. Et carrément, si je veux, je peux. Oh, il est tout bresson. C'est la noirceur, mec. Ben, les amis, je dois vous montrer quelque chose. J'ai moi également changé de fruit. J'ai opté pour le fruit du léopard. Regardez, je peux envoyer des spears à le kick. Fou. Mais qui se sait que quoi? Et mon attaque ultime, attendez, je vais la faire juste ici. Vous voyez le petit Warden là-bas? Ouais, bien sûr. Et bah y'en a plus! Oh bah attendez, ça marche. Mais qui se sait que quoi? Ah bah si, en un scroll. Il est toujours là, dégage! J'ai pas encore débloqué la transformation ultime du léopard. Ah. Ça, ce sera pour une autre vidéo, le temps que je farme un petit peu. Mais aujourd'hui, les amis, je voulais vous montrer un petit truc un petit peu cool. Ça va me coûter un peu de Robux, mais ça peut être sympa. Venez sur le toit, les amis. Ah, on est pas sur le même toit, les gars! On est là! Trompez-toi là! Parce qu'il y a besoin d'un zéro dans l'équipe, quand même. Ok les gars, est-ce que vous saviez que je pouvais acheter un détecteur de fruits du démon? Comment ça? Bon, ça va me coûter un peu de Robux, mais je peux acheter un détecteur de fruits du démon et je suis curieux de voir comment ça marche. On va voir tout ça ensemble les gars. On va devenir riche, wesh. Et là les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Les gars, abonnez-vous, mettez la cloche et faites tout ce que vous pouvez. On est bientôt 20 000 et là les gars, ça me soutiendrait énormément parce que là, j'achète directement. Ça coûte beaucoup de Robux. Ok, merci pour votre achat et bah de rien, ça fait plaisir. Maintenant, normalement, je devrais avoir le détecteur de fruits et on va le tester ensemble les gars. Ok, votre achat de détecteur de fruits a réussi. Ok, alors il est où maintenant? Notificateur de fruits débloqué. Ok, alors maintenant il est où? Est-ce que c'est dans mes items? Peut-être je peux l'avoir quelque part. Il est où? Je sais pas comment ça marche. C'est quoi? Dès que je vais passer à côté d'un fruit, ça va marcher? Je sais pas comment ça marche. Mais tu l'as acheté là, c'est bon? Ouais, je l'ai acheté. Bon, en fait je me suis un petit peu renseigné sur le bail. Bah en fait ça va apparaître en haut de mon écran. Normalement ça va me dire où il y aura un fruit. Dès qu'un fruit va spawn sur la map, normalement j'aurai une notification carrément. En vrai c'est cheaté, mais du coup qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Des îles. Tu vas aller visiter des îles? Qu'est-ce que vous avez pas fait encore, Camille, vous? Camille. J'ai quoi? T'étais sous une couette, gros, on a rien entendu. Excuse-moi, non, t'as dit Camille, c'est qui Camille? Non, c'est qui Camille? C'est toi qui es Kabyle? J'ai rien. Ah, je suis mort, le blanc est incroyable. Donc là, en fait, c'est ce. Mais, les gars, vous partez sans moi? Les copains, on était pas. On était. On a créé un nouvel équipage, on était pas à la base, les gars. Ah ouais? Je rigole. Je vais venir avec vous. Vogons vers les mers en attendant de trouver un nouveau fruit. Il a raison, wesh. Franchement, vas-y, viens, on va à l'île des singes. Je vais déjà essayer de trouver un petit fruit aléatoire là. On va voir. On va essayer de packer un petit fruit aléatoire, voir ce qu'on peut trouver et gagner. Mais moi en vrai là j'ai 1 000 000 là, je peux dépenser dans des fruits là. C'est vrai ça, il faut dépenser. Oh mais c'est quoi le frérot à côté de nous là-bas, il me fait peur. Moi je vais le faire. Oh mais il peut courir sur la glace, mais ouais. Est-ce que je peux courir sur sa glace? Oh je peux courir sur sa glace. Oh attendez, c'est incroyable. Oh les gars, c'est un truc de fou, mais wesh. Oh la dinguerie. Oh il a capté goal pour ça, goal pour... Oh j'ai le bateau sur la glace. Attends vas-y, attends, fais-moi de la glace. Fais-nous de la glace. Ok tiens. Ok let's go. Oh. Mais attends, mais cours pas en rond, cours pas en rond. Mais vas-y, le bateau. Mais oui, mais non, vas-y, cours tout droit, vas-y, suis le bateau, je te suis sur la glace. Oh mais c'est un truc de fou. Yéko. Oh c'est bon. Il a essayé de me semer. Go l'île des singes. Ouais.
T'es malade, frère. La réaction. Mais ouais. Mais vous savez pas conduire un bateau. Mais m'énerve ce bateau, j'arrive pas. Je conduis, vas-y. Dis ça, salut, et casse-toi en poule. J'ai quoi comme fruit? Et en vrai, j'ai des bons fruits. J'ai le fruit de pâte, le fruit noir et le fruit de la glace. Bon, y'a que ça en fruit bien. J'ai des confettis, mais bon, c'est pas top. Bon, et Ico qui repart. Ico, ça me tue, on le voit. C'est une étoile filante? Non, c'est le rat. I am here. C'est plus jamais de parler anglais. Oh, c'est qui lui, James? Dégage, James. Oh, je l'ai défoncé en une attaque. Je l'ai matraqué, le frérot. Bon, alors attends, vas-y, hop, je vais essayer de choper un petit fruit aléatoire, un petit fruit de qualidad. Là, imagine, j'ai le meilleur fruit. Là, j'ai le fruit kilo. Mais non, mais tout le monde s'en fout de ce fruit. Je te le lâche. Nul à chier, lui. Voilà, hein, je te le donne. Ouais, j'ai le fruit du ressort. Oh, le fruit du ressort. Je crois que j'ai le meilleur. C'est quoi? C'est le fruit de quoi? C'est le fruit de la glace. Ice. Ah, c'est le fruit de la glace. Toi, t'as la cape de Doflamingo, t'es pas notre ami. Voilà. Ice Age. Oh, la dinguerie. Sky Beam Barrage. Wouhou. Oh, wesh. Oh, wesh. Oh, c'est qui lui? Dégage, toi. Oh, je les éclate tous maintenant, si, hein, c'est vrai. Bon, là-bas, je suis habitué à la C2, les gars. C'est des adversaires de taille qu'il me faut. Voilà, faut qu'on aille tuer un boss, là. Est-ce que vous voulez aller vous faire Franky? Oh, ok, go. La revanche. Vas-y, la revanche. Allons se faire Franky. Peut-être qu'avec un peu de chance, on aura un fruit là-bas. Quand est-ce qu'ils spawnent les fruits? Moi, je veux un spawn de fruits, là. C'est si rare que ça. Oh, wesh. Pas fait, frère. Congélateur sur pattes, là. Je suis une grenouille. Je suis une grenouille libre. Allez, c'est parti. Allons se faire El Franquito. Oh, il est là. Allez-y, à l'attaque. Oh, ah ouais, mais là vous avez des attaques de fou. Oh là là, ok. Oh, il t'a pété dessus, attention. Ok, attaque supra Leopardo. Oh, mais attendez, mais c'est un ouf. Oh, c'est un ouf. En fait, il est toujours aussi fort, Narvalo. Ok, l'attaque. Oh, c'est bon, je l'ai envoyé dans les airs. Oh, ok, on a un peu de répit. Attends, je vais essayer la technique du doigt revolver. Bam, je le défonce. Oh, wesh, c'est le type là. Eh, c'est mon type. C'est bon, je le vois. Tornade de fou. Oh là 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 là. Mais gros, c'est mon type maintenant. Technique du doigt revolver. Bam. Allez, c'est un monstre. Oh là 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 là. Allez, c'est notre type là. On peut se le faire. Oh là 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 là. Aïe. Ok, j'utilise le haki de l'observation. Il ne m'aura pas. Il peut pas me toucher. Invisible. Slash. Oh, allez, le slash ultime. Et boum. Oh, on l'a défoncé, les gars. Oh, vous êtes chaud. Oh, vous êtes chaud. Ah, vous avez pris du galon, là. Là, ça sent, vous avez pris du level. Let's go. Les gars, c'est bon. C'est qui eux? Mais casse-toi. Viens là. Non, c'est ça, rentre chez toi. Rentre chez toi, voilà, rentre chez toi, voilà, bouffon. Voilà, on fait peur à l'équipe d'à côté, voilà. C'est nous le vrai équipage, c'est les Joy Boys, voilà. Trop de flow. Bon, par contre, je sais pas s'ils marchent vraiment, là, leur petit détecteur de fruits, là. C'est un fruit, ouais. Non mais gros, ils spawnent où? Ouh, ça il spawn. Bon, on m'a dit qu'on m'enverrait une notification, mais j'ai pas de smartphone en l'air. Surtout, ça fait 30 balles, quoi. C'est beaucoup, genre. À te préparer mon meilleur Kamehameha en l'air, là, je sais pas ce que je fais. Si tu dois faire quelque chose, fais-le. Non, mais là, je sens que je sortirai en paix, là. Attends. Oh wesh, le pay il a une... Wesh. Oh, le pétou. Par contre, je sais pas, là. Allez, où est-ce qu'on peut trouver des fruits? Trontoro. Attends, mais ça veut dire que là, vraiment, sur la map, là, il y a zéro fruit. Attendez, están los frutos. Le seum. Notificateur de fruits débloqué. Bon, bah, allez, si c'est débloqué, trouvez-moi les fruits, nom d'une pipe. Les gars, si vraiment un jour vous pensez à l'acheter, je crois, ne le faites pas. Je viens d'avoir une info. Mais non. Les fruits spawnent toutes les heures ou toutes les 45 minutes les week-ends. Et ils despawnent après 20 minutes s'ils sont pas chopés. Je suis le seul à avoir un détecteur de fruits. Il faut que j'attende une heure, mais peut-être que ça peut marcher. Si on a une notif, vraiment qu'on a attendu tout ça et que c'est un kilo nomi, j'ai trop le démon. Oh, attends, un fruit de bloc s'est apparu dans le jeu. Oh. Radar activé. Oh, mais il est où? Oh, mais si, attends, j'ai un calibrage. Attends. Oh, c'est un truc de fou. Attends. Mais non. Attends, j'ai un calibrage. Oh, les gars, attends, il est à 600 mètres. Oh, je vais le trouver. Attends, je crois qu'il est au niveau des pyramides. Ah, j'avoue, comment tu fais pour sortir? Moi, à chaque fois, je mourrais. Oh, les gars, faut retourner à l'eau où vous arrivez. Ah, non, c'est bon, j'ai... Ouais, non, c'est bon, je viens de voir. Oh, mais attends, mais enfin. Oh, let's go. Mais Zama, il parle comme s'il était en vidéo. Mais je suis en vidéo. Il est en vidéo. Ah, oh, les gars, je crois que c'est sur l'île de Akainu. Attends. Ouais. Oh, 100, oh, elle est loin. 130 mètres. Attends, il est combien? Oh, j'y vais. Oh, ça va être une dinguerie. Oh, Yeko. Oh, non, attends, je m'éloigne. Attends, c'est où? Non, c'est... En fait, non, autant pour moi, c'est sur l'île du milieu, je crois. Non, c'est sur l'île des pirates. L'île des pirates, carrément. Il est sur l'île des pirates. Il est où? Ouh. Oh, attends, je m'en approche. 20 mètres, 16 mètres, 10 mètres. Il est où? Il est là. Il est forcément quelque part par là. Il est là. C'est quoi le fruit? C'est le fruit des... Attends. Je le ramasse, ok, be careful, oh, c'est le fruit du haché, mais non. Oh là 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 là. Oh là là,
tout ça pour ce fruit. Mais non. Pourquoi tout ça pour ce fruit? J'ai le seum. Attendez, il est quelle heure? Parce que je sais que le prochain respawn dans une heure. Non mais les gars, j'ai le pire fruit. Bon, qui le veut? Qui le veut? Nobody wants. Nobody wants. Personne le veut. L'un de vous aura la chance de manger le fruit. Oh non. Prenez oh. le fruit du haché. Mais depuis quand vous... haché même. On fait demi-tour. Personne veut se dévouer pour manger le fruit là. Ah bon? Ouais, en vrai ça va. Eh vas-y, je le pose et je me casse. Hop, lâché. Oh, j'ai failli cliquer sur manger. Non, cliquer sur lâcher. Ok, c'est bon, ça va. Vas-y, je te le laisse. Je te le laisse, Diego. Je te le laisse. C'est pas, c'est pas mon bail, c'est pas mon dos. Wesh! Les gars, j'ai trouvé un autre fruit. Oh wesh. Wesh, attends, à moi. Non, je voulais. C'est le fruit de flamme. Let's go. Wesh. Jure, depuis le temps que je voulais le retrouver, mais waouh, mais attendez, mais c'est quoi en fait? On a eu beaucoup de chance. Et là, cette fois-ci, j'ai pas eu besoin du radar, les gars. What the fuck. Bon, bah c'est sur ça qu'on va se laisser, les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et bah à très bientôt. Ouhou. Oh, la pleine lune se termine. Chez pour les mix. Wouhou. Aujourd'hui, les amis, on va voir un petit peu toutes les nouvelles améliorations qu'il y a grâce à l'événement de Noël. Normalement, on peut recevoir des cadeaux un petit peu sympas et on va apprendre à les utiliser tout simplement. D'ailleurs, les amis, regardez, je me suis mis en Luffy, comme ça je n'attire pas trop les regards. Comme ça, personne ne sait que je suis léopard. Oh, il y a un dragon au-dessus de moi, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est des malades. Maintenant, les gars, vous êtes vraiment trop à me suivre pour Blox Fruit. Donc, il y a vraiment à chaque fois, il y a des gens qui me reconnaissent et tout. Je dis pas, hein, c'est super cool. Mais du coup, bah, ça crée ce genre de petit événement, quoi. Il y a pas mal de monde autour de moi. Et là, les amis, j'ai cru voir un endroit qui m'intéresse particulièrement et qui est une petite île là-bas. Les gars, c'est une petite île bonus. Une île qu'ils ont rajoutée justement pour l'événement. Et apparemment on m'a dit qu'il y aurait des cadeaux très très bientôt, donc j'ai hâte d'aller voir ça. On va aller se prendre un petit bateau déjà. Mais pourquoi vous me suivez? Pourquoi? Hi. Hi mon pote, hi. Attendez, mais c'est quoi? Mais c'est un commandant. Wow. Wesh, il m'a amené où? Mais il m'a TP. Il m'a TP dans de la lave. Mais c'est un malade. Oh le fou. Oh mais il a le fruit de la porte. C'est vrai les amis que... Bon d'accord, ok, calme-toi mon pote, calme-toi. Ça va très mal se passer, je vais amener toute mon armée contre toi, tu vas voir, tu vas déguster. Mais moi je veux pas me battre aujourd'hui les gars, d'habitude je veux me battre et tout, mais pas là. Tranquille, je cherche pas les embrouilles. Les amis d'ailleurs, oui, il a utilisé le fruit de la porte qui a été rework. Si vous êtes un utilisateur du fruit de la porte, c'est assez incroyable, il y a eu pas mal d'améliorations et on peut faire pas mal de dingueries avec. Un frisson cool dans ta colonne vertébrale. Oui, il vient de me tuer, du coup il me fait un peu peur, c'est tout. Allons voir en attendant les amis, allons découvrir cette nouvelle petite île là-bas, je l'avais pas trouvée. Elle a été rajoutée il y a pas très longtemps aussi. Deux là, dis donc. Allons voir ça. Regardez, c'est juste là, les amis. Là, on a l'île de base de la mer 2. Parce que bah, je suis pas encore à l'océan 3, les gars. je fais tout pour, croyez-moi, mais on n'y est pas encore. Et du coup, ici, on avait le petit endroit à zombies et à vampires, même avec le petit bateau hanté. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ce bateau hanté, les amis. J'avais mon petit détecteur de fruits qui m'a emmené très très loin dans la map. Il m'a emmené tout là-bas, vous voyez? On le voit, le petit truc là-bas. Et là-bas, ça m'a mis navire hanté. Je suis allé dessus. Ça m'a tué. J'ai trouvé dedans, du coup, le fruit de la lumière. Ce qui est assez incroyable, les amis, avec le détecteur de fruits. Ça m'a repop. Dans ce bateau. Voilà, si vous avez une explication à ça, bah je suis preneur. Et voyons voir, mais c'est tout mignon ici, les amis. C'est tout joli, joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, on va y aller tranquillement. On va essayer d'explorer un petit peu ça. North Pole. Ah ouais, le pôle Nord, c'est stylé en mode Père Noël et tout. C'est grave cool. Ok, donc là, on peut acheter nos petits bateaux. Ok. Normal, le boat dealer. Ok. Oh, Santa Claus. Vous êtes. Bonjour. Santa Claus. Ok, autant pour moi. Je pensais que vous étiez le Père Noël, mais en fait, c'est pas vous. Bonjour, Diver. Parlons-lui. C'est la première fois que je viens là. Merry Christmas. Bah merci beaucoup. Est-ce que vous êtes intéressé par le trading Foreign Special Time? Bah allons voir. Apparemment il a des. J'ai zéro bonbon. Ah d'accord, on peut gagner des petits chapeaux et tout. 500, ok, c'est 500 bonbons. Un traîneau? On peut avoir un traîneau pour 1000 bonbons? Oh là là, ok. Oh bah voilà, regardez les amis. L'événement des cadeaux arrive dans 5 minutes. Et bah écoutez, ah bah c'est parfait. Regardez, on a le petit décompte ici. Mais attendez, mais comment on trouve des bonbons? Moi je suis chaud d'avoir un traîneau et tout. Je veux un traîneau. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux. On peut parler à des petits lutins. Oh, un petit elfe. Allez, petit elfe, dis-moi. Yo, you got candy for me? Non, j'ai pas de bonbons pour toi. J'ai zéro. Je suis désolé, j'ai zéro bonbon. Est-ce que j'ai des fragments à lui donner? J'ai peut-être des fragments à te donner. Pourquoi? Il faut que je paye pour avoir des bonbons, c'est ça? 500 fragments. Oh, you would like to buy 500 fragments pour 100 candy? Non, je vais acheter 100 candy pour 5. Bah oui, mais j'ai pas de bonbons. Mais comment on les trouve, les bonbons? Ah là, ils attendent. Hein. Oh, regardez-moi ça, mais ils attendent, c'est des fous furieux. Eux aussi, ils veulent leurs petits cadeaux. Ça va être la guerre là pour les avoir, les cadeaux ou... ou alors on a le droit tous d'en avoir un tranquillement. Je sais pas du tout. J'essaie d'explorer un petit peu. Bonjour, mais vous êtes un elfe magique. Bienvenue à mon magasin. Prêt pour faire un petit deal? Et bah écoutez, bah oui, mais j'ai zéro. Ah ouais, d'accord, on peut avoir des remboursements de stats, de l'XP en x2 et tout. Mais les bonbons, c'est cheaté, on peut avoir plein de trucs avec les bonbons. Mais où est-ce qu'on les trouve, les bonbons? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que quelqu'un sait où on peut trouver des bonbons? S'il vous plaît, aidez-moi. Je demande, où est-ce que je peux trouver des bonbons? Y a pas des petits abonnés là qui pourraient m'aider pour le coup là, parce que je suis un peu perdu. Je me suis pas trop renseigné, c'est vrai. J'ai pas fait trop mon boulot, mais bon. Je voulais découvrir surtout avec vous. Du coup, comment on fait pour avoir des bonbons? Quelqu'un sait? Un petit message? Troisième monde. Mais là, je peux pas aller dans le troisième monde, d'accord? Je
n'ai pas encore les habilités pour aller dans le troisième monde. Attends, y'a pas de bonbons? Je demande. En faisant des kills sur des PNJ. Ah ouais, d'accord, intéressant. Mais y'a pas de PNJ ici. Y'a pas de PNJ ici à attaquer. Je suis curieux. Curiosité, moi. Il me faudrait 1000 bonbons pour avoir un traîneau, les gars. Mais il va falloir que je farme. Il va falloir que je farme énormément. Mais déjà, attendez, je suis curieux. Dans 2 minutes, on va avoir nos petits cadeaux. Attendant, au moins, je n'éveille pas les soupçons sur mon fruit du léopard. Ils voudraient tous s'attaquer à moi. Alors que là, je suis en mode Luffy, tranquille, tu vois. J'ai même pas encore ma transformation, les gars. Faut que je sois maîtrise 300 pour avoir la transformation. Mais bientôt, on fera une vidéo dessus, les gars. Bientôt, quand j'aurai ma nouvelle transformation, on essaiera d'up notre fruit du léopard à balle. D'après ce que les gens disent, c'est presque le meilleur fruit. Oh, lui, mais regardez là. Oh, le fruit de la porte, il est quand même vénère. Parce que quand moi, je l'avais, les gars, c'était des petites portes toutes vertes, toutes moches. Mais là, il a été rework de fou. Et c'est une dinguerie. Oh là là, ouais, non, il est stylé. Wouhou, je veux passer dans ton monde. Oh, Bloxfruit, il y a un fruit qui est apparu dans le jeu. Oh, il est pas loin, mais en même temps, les bonbons arrivent dans une minute. Attendez, bon, c'est pas grave, j'irai chercher le fruit plus tard. J'irai chercher mon fruit plus tard, les gars. Il y a un fruit qui a été détecté, mais il y a tout qui arrive en même temps. Bon, les gars, on prend ça, on a une minute pour prendre ça, et après, on ira chercher le fruit qui est à 200 mètres, ça va? Où est le fruit? Ok, le fruit doit être par là-bas. Ok, on ira le chercher après, les gars. Dès qu'on a notre petit cadeau, on va chercher le fruit. J'espère que personne va le prendre avant nous. Je veux découvrir les cadeaux. Les gars, par contre, j'ai un peu peur, hein. J'ai un peu peur de ce qui va se passer quand les cadeaux vont arriver. Ça va normalement, personne peut me tuer, les gars, vu qu'on m'a déjà tué tout à l'heure. Donc bon, je prends pas trop de risques. J'espère que l'autre il va pas tous nous TP avec sa porte. Mais les gars, je prends mon cadeau et je me tire chercher le fruit. Ça se trouve, on aura un fruit de fou. Qu'est-ce qu'on va gagner dans les petits cadeaux? Oh, y a des malades, hein. Oh, y a des fous qui ont des fruits de Doug. Allez, 10 secondes, les amis. 10 secondes maintenant avant d'avoir notre petit cadeau. Oh là là, l'événement commence. Il faut qu'on soit dans le cercle vert. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok, merci. Ok, oh, les petits cadeaux. Oh, c'est stylé. Y a un cadeau géant, mais donnez-moi le cadeau. Ok, on est en safe zone. Ok, c'est pas mal. Let's go. Oh, petit cadeau. Ok, c'est bon, j'ai le mien. Qu'est-ce que j'ai dedans? Le fruit du ressort. Mais non, je veux pas ça. Je peux pas avoir ça. Open. Je peux pas l'open. Non, j'ai le fruit du ressort. Attendez, ils ont eu quoi comme fruit? J'ai eu le fruit. Oh, mais lui aussi, il a eu le fruit du ressort. Mais on est plein avant eu le fruit du ressort. C'est nul. Oh, il a eu le fruit du tremblement, jure. Attendez, mais je le lâche, hein. Bah, quiconque le veut le prend. Je le lâche. Voilà, c'est pas fou. Personne veut lâcher un vrai fruit. Qui veut me donner un vrai fruit? Oh, mais c'est quoi son fruit de fou à lui? Personne veut me donner un vrai fruit, les gars. Une âme charitable? Non, bah mon cadeau était pas fou, les gars. Moi, mon cadeau était pas fou. Mais après, peut-être que j'aurai plus de chance. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Bon, bah bien joué à vous. Hein. Vous avez eu des meilleurs cadeaux. Maintenant, moi, les gars, il me reste un fruit à aller choper. Oh là là, oh non mais par contre cassez-vous. Oh, j'espère qu'ils vont pas me suivre. J'espère qu'ils ne vont pas me suivre, les gars. Il est où mon bateau? Dégage! Non, on m'a volé mon bateau, saloperie. Non mais les gars, mais bon bah attendez, je vais prendre. Oh mais attendez, il me donne un celui-là. Non, peu importe, c'est mon fruit. Fruit de la barrière. Oh bah c'est stylé, bah je le stocke, hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je le store. Merci mon pote, ça fait super plaisir. Bon bah écoutez, est-ce que je peux racheter un bateau parce qu'on vient de me voler le mien en fait? Le point d'optimisation, c'est obstrué. Mais comment ça? Bon bah écoutez, c'est pas grave, je prends ce bateau là. Hein. Allez, salut. Non mais par contre, mais venez pas avec moi. J'espère qu'ils vont pas venir avec moi, les gars. J'ai un fruit à aller trouver. Le fruit a été détecté. Oh mais cassez-vous de là, cassez-vous. Je m'en vais, je vais chercher mon fruit. Laissez-moi tranquille. Oh là là, en plus il y a un mec là-bas, mais attendez, laissez-moi aller chercher mon fruit. Mais dégagez de là. Laissez-moi tranquille. En plus je le vois là-bas, le fruit, je le vois les gars, je le vois. Il est là-bas, qu'est-ce que c'est comme fruit, je ne sais même pas. Hop, on va passer ici. Oh mais non, mais me dites pas que c'est le fruit du ressort. Mais les gars, mais j'en ai marre de ce fruit. J'ai eu le fruit du ressort, mais c'est n'importe quoi. Je n'en veux pas. Bah, je le store. Bah ouais, storage fail, je crois que je l'ai déjà. Bon bah, je le jette à l'eau. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Je le jette. Au revoir, petit fruit. Oh, j'ai débloqué un titre. Le Kraken. Oh, c'est stylé, le Kraken comme titre. Oh, ça se bagarre ici. Oh, ça se bagarre. Je crois que j'ai pas le niveau, hein, les gars. Je suis le plus faible du serve. J'ai pas le niveau. À moins que. Oh, les petits zombies, je les avais oubliés. Dégage. Attendez, vous pensez que je peux les attaquer? Hop là, j'active mon joueur contre joueur. Hop là, je me mets comme ça. Et boum! À l'attaque! Oh, j'ai tué un mec! Ouais, j'ai tué un mec! Boum! Allez, dégage! Allez, je me casse maintenant! Hasta luego! Oh, ça me tire des trucs! Ouh, ça veut ma mort! Oh, y'en a, ils veulent ma mort, là! Allez, à la prochaine! Salut! Mais moi, attendez, j'ai juste envie de voir comment je peux gagner des bonbons! Parce que les gars, moi, je veux trop le traîneau! Alerte, la factory a été permis, contrôle de poison activé dans 5 minutes! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout, là? Y'a trop de trucs qui se passent aujourd'hui, c'est un truc de malade! Boutique, sale! Oh, ils ont mis quoi? Ah oui! Ok, c'est vrai qu'ils ont mis des nouveaux bundles, un petit peu des petits packs de trucs pour Noël! Mais moi, ça m'intéresse pas, hein. J'ai déjà le fruit que je voulais, j'ai le petit Leopardo, le plus cher, les gars. Comment on obtient des petits bonbons là? On m'a dit en tuant des mobs, c'est ça? J'ai gagné le fruit de la barrière quand même, mais c'est un fruit rare. C'est quand même stylé. Bah écoutez, allons tuer des mobs pour essayer d'avoir des petits bonbons. On va voir, avec un peu de chance. Sans malfunction de factory, fin, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas tout ce qui se passe, les gars. Par contre, là, j'ai accepté le combat contre d'autres joueurs et il faudra que je sois de plus en plus vigilant. Bon, allons se faire quelques petits mobs là. Apparemment, on peut avoir des petits bonbons, dites-moi. Donne-moi bonbons. Allez, hop. Donne-moi tes candies. Je veux des candies. Okay.
Ok, bah pas sur celui-là apparemment. Peut-être sur toi, vil malfrat. Eh, donne-moi des bonbons là, donne-moi des bonbons un petit peu. J'ai la dalle mon pote. Maîtrise supérieure, bah c'est pas ce que je veux. Peut-être lui. Quoi, je lui fais pas de dégâts. T'as de la chance. Tu as de la chance mon pote. Boum. La technique du léopardo. Esbra, esbra, et boum. Wouhou. Oh si, j'ai eu un bonbon. Bah, c'est tout, j'en ai eu que un. J'ai eu un candy, c'est tout. Il faut que j'en ai 1000. Attendez, mais quoi? Attends, mais il faut peut-être que je les tue avec fruit du démon pour que ça marche. Je sais pas, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Boum. Oh bah, il est où? Il a disparu. Il a des pop. Dégage. C'est peut-être qu'il faut que je les tue avec le fruit du démon, non? Non, même pas, c'est aléatoire. Qu'est-ce qu'il m'a dit lui? Tu m'as parlé toi? Mais il m'a TP, mais non, mais oh, quoi? Mais pourquoi il m'a TP dans sa dimension de fou? Dégagez de là. Je veux fuir, mais regardez, c'est ça le rework du fruit de la porte, il est incroyable. Wow. What, il s'est passé quoi les gars là? Mais pourquoi tout le monde me suit à chaque fois? C'est insupportable. Je vais dégager tous de là. Un truc de fou. Barrez-vous de là. Oh la porte. Ouh là là. Oh, j'ai pris le mauvais TP. Il faut tuer des mobs. Non mais arrête de me TP toi, mais il est insupportable lui. Je veux retourner chez moi. Allez, voilà, c'est bon, laisse-moi fuir. Des fous. Offre-moi un Game Pass, mais t'es malade toi, va faire voir. Ils sont fous. Bon, ils m'ont tué. Bon, j'essaye de négocier les gars. Là, j'essaye de négocier un peu, voir comment on peut en avoir des bonbons. Je suis curieux. C'est des malades, je vais juste partir dans mon serf privé. Bon allez, hasta luego les copains. Là, le truc c'est que je suis tout seul au moins. Là, je suis tout seul, c'est bon. Non mais les gars, vous êtes adorables hein, je vous le dis à toute la commu Bloxroot, vous êtes adorables. Mais des fois c'est compliqué de se concentrer. Quand je suis pas en vidéo, c'est OK, mais là c'était un peu compliqué. Bon bah vous savez quoi, je vais juste prendre des quêtes et puis voilà, on va essayer de trouver ce qu'on veut. Moi, je veux juste des bonbons. Après peut-être je peux aller me faire des mobs un peu moins puissants pour en avoir, je sais pas. Si c'est n'importe quel mob qui en donne en vrai. Parce que là, j'ai que un bonbon, c'est pas énorme. C'est bon là, OK, plus un encore. Nickel, j'en ai deux. Mais il faut que je tue 1000 mobs là vraiment. Ça va être compliqué cette histoire. Oh, OK, plus un autre bonbon, mais là c'est bon, on enchaîne, c'est cool. Mais même pas plus que 1000 mobs parce qu'ils en donnent pas un à chaque fois. Après à voir si je trouve vraiment des mobs pas très très forts. Bah nickel, il me donne du scrap métal lui. Mais quelle j'en ai à faire? Ça va être compliqué hein, ça va être... Oh là là, je sens que ça va être très compliqué. Peut-être qu'en tuant d'autres mobs plus simples, ça pourrait aller plus vite, je sais pas. Bah, déjà au moins se finir notre petite quête ici. Toi t'es finito pipo mon pote. Tu sais pas de quoi je suis capable. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas. Et oui, j'arrive à faire ça sans modificateur de voix. J'ai des cordes vocales en béton. We'll wish you a Merry Christmas and Happy New Year. J'ai quand même allé revérifier les petits prix là, parce que dis donc. Ok, lui il avait quoi déjà? Alors attends, il peut nous offrir quoi? Un petit chapeau d'elfe? Pour combien? 250, ok, c'est quand même 250 pour un chapeau d'elfe. Chapeau du Père Noël, c'est 500. Et le traîneau, ouais, c'est vraiment 1000. Ok, d'accord, ok. Et pour l'instant, j'en ai 4. J'ai 4 petits bonbons. Et ben, on a du taf, les gars, on a du pain sur la planche. J'imagine que si on va dans la boutique, on peut pas acheter de bonbons. Ce serait cheaté. Je demande, on sait jamais. Non, on peut pas en acheter, bon bah c'est pas grave. J'aurais... Non, mais non, je dis pas que j'en aurais acheté. Non, n'importe quoi. Pff, qui dit ça? Moi, peut-être. Allez, on va voir déjà si ces mobs là donnent des bonbons. Et les gars, peut-être même pousser le délire un peu plus loin. Peut-être qu'on peut avoir des bonbons en C1. Si on peut en avoir, les gars, je vais aller me faire les mobs de départ, les gars, où vraiment ils sont en mode one-shotable à fond. Bon, pour l'instant, lui, il donne pas de bonbons. Allez, toi, tu m'en donnes. Allez, toi, t'as une tête à donner des bonbons, toi. Non, pas de bonbons. S'il vous plaît, les gars, des bonbons. C'est pas indiqué quel genre de mob il faut tuer pour avoir des bonbons. Bon, en attendant, là, j'en ai fait 3 et 0 bonbons. J'ai peur que ma théorie tombe un petit peu à l'eau. Non, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Non, mais les gars, mais en fait, eux, ils donnent pas de bonbons du tout. Je gagne rien. Je gagne rien. Est-ce qu'un boss donne plus de bonbons? Si je tue un boss et qu'il me donne 50 bonbons, là c'est worse. On va aller voir. Ils auraient pu au moins mettre un truc en mode on achète des bonbons contre des fragments ou des trucs quoi. Parce que là c'est compliqué. Amiral de fumée. Bon, on va aller voir ce boss là, dis donc. 50 Robux pour qu'il respawn quand même. Allez, c'est bon, normalement t'as respawn. C'est bon, il est là. Bah nickel, mon petit pote. Allez, toi je vais te mettre ce que tu mérites. Boum! Boum, Smoker, t'as intérêt à me donner des bonbons. J'espère que tu feras pas le radin. Oh, je t'éclate, mon pote, je t'éclate. Oh, bien joué l'esquive. Oh là là, mais je le défonce, mais c'est tellement easy de le défoncer. Ouh, esquive, mon pote. Boum! Oh, j'ai raté ça. Hop là, body flicker. Boum! Et là, tu prends ça. Boum! Et boum! Je défonce, mon pote. Hop, droit revolver. Et... boum! Ouh, il a bien esquivé. Bien joué, mon pote. Mais là, t'es dans la lave. Tu vas mourir. Tu meurs pas dans la lave, toi? Bon, bah, je te tue. Oh, Candy Bessie, 13! Fois 13, les gars! Oh, ça, c'est pas mal! Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Faut qu'on aille tuer des boss, en fait. C'est pas mal. Bon, on va faire la tournée des boss. Allez, c'est parti. Tournée générale. 13 bonbons. Mais attendez, là, du coup, je dois en avoir combien? Une vingtaine? Je dois avoir 20 bonbons au total. On est quand même loin des 1000. C'est énorme, en fait, 1000 bonbons. Quand on y pense. Zone végétale. Bon, on va aller voir Fujitora. Est-ce qu'il va nous donner des petits bonbons? Allez, toi, on va te mettre ce que tu mérites également. Ouh, mais tu fais le malin avec tes météorites. Waouh. Ok, ça fait mal, ça pique. Non, je dois avouer, ça pique un petit peu. Triple boom et boum. Allez, mais là, c'est bon, il a plus de vie là, normalement. Là, il a plus de vie. Bon, allez, dernière attaque. Voilà, ok. Et il m'a donné quoi? Il m'a pas donné de bonbons? Mais non, mais mes bonbons, il m'a donné des météorites. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je veux pas de météorites, moi. Bon, bah super, nickel, on a pas gagné de bonbons. On a combien là? 18 bonbons. Mais c'est pas énorme, c'est vraiment rien. Un bonbon, non, mais les gars, il faut que j'en tue 50 pour avoir un seul bonbon. C'est trop dur. Là, je suis désolé, mais vraiment, j'ai pas que ça à faire, quoi. J'ai des montages, des miniatures à faire,
charger une life. Oh, 3 bonbons cette fois-ci. Bah merci. Ah mais c'est giga aléatoire en fait. C'est aléatoire de fou. Y'a pas une technique pour avoir des centaines de bonbons par millier? Cette phrase n'a pas de sens. Je veux juste 1000 bonbons. C'est compréhensible. Bientôt une heure que j'y suis. Et il faudrait que je fasse 10 fois ce que j'ai fait. Ça veut dire il faudrait que je joue 10 heures d'affilée là pour réussir à les avoir. Ouah, c'est compliqué. C'est chaud. Oui, t'es pas un vrai passionné du jeu. Mais j'ai une vie. Smoker, reviens, qu'est-ce que tu fais mon pote? T'es où? Bam. Ok, plus 10 bonbons, d'accord. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est quand même ça. On a 73 bonbons. C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas dingue. Bon bah j'aurais peut-être pas eu de traîneau, mais au moins là j'attends le prochain cadeau pour avoir au moins un fruit qui soit cool. Ça pourrait être la moindre des choses. Donnez-moi le fruit du dragon, un truc cool, je sais pas. Ou le fruit du léopard, comme ça je peux le trade contre des trucs un peu sympas. Ou le fruit du doug. Le fruit du donut, allez, donnez-moi le fruit du donut. Les gars, si j'ai un traîneau directement dans les cadeaux, ça serait pas mal. Bon, j'espère que cette fois-ci je vais avoir le meilleur, parce que l'autre fois j'ai eu le ressort, j'ai eu le pire. Allez, donnez-moi le meilleur cadeau. Boum! Oh bah je suis dedans, je suis dans le cadeau. C'est moi le cadeau depuis le début. Bon alors voyons voir lequel sera le plus stonks. Quel cadeau sera le meilleur? Espérons que ce soit le mien. Ok, peut-être celui-là. Allez, le bleu, on fait confiance au bleu. Qu'est-ce qu'on a dans le bleu? Le fruit du faucon. Bah c'est pas dingue, c'est pas incroyable. Bon bah j'ai eu que le fruit du faucon, vous avez quoi? Il a eu diamant. Et toi tu as eu quoi toi? Rip bombe. Bon bah on a pas eu de truc de fou quand même. Moi je le lâche pour quiconque le désire. Je le lâche aussi. Voilà. Quoique le fruit bombe, je l'ai pas eu. Je prends tout. Je les prends tous. Oh il a eu quoi? C'est quoi, c'est le fruit ice? Bah nickel, bah j'en ai 3. Le fruit diamant. Bah merci les gars. Bah merci. Merci beaucoup. Bah je les stocke hein, je les stocke. Aujourd'hui les amis, notre objectif est tout simplement de débloquer la transformation finale du léopard. Déjà je me suis mis un peu dans le thème. Vous kiffez un petit peu mon outfit machin nanani nanana. J'ai même le petit oiseau sur l'épaule, tu connais Roblucci. On est là, c'est stylé. Bref, regardez les amis, je suis maîtrise 291 et il faut être maîtrise 300 pour tout simplement débloquer el fruzzo del leopardo au maximum. Ouais mais attendez, il se passe quoi là-bas? Oh y'a de la bagarre déjà là-bas. Oh, y'a de la bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches les problèmes, toi? Bam. Pourquoi je peux pas l'attaquer? Mais pourquoi ils sont géants? Oh, si lui, j'ai pu l'attaquer. Ok, t'es foutu. Prends garde à toi. Alors toi, mon pote. Bam. Boum. Et le sputtering kick, bam! Quoi, la différence de niveau était trop élevée. Oh, désolé, mon pote. Je ne savais pas que tu étais un newbie. Bon, je suis quand même resté sympa avec lui. Je lui ai donné une chance de fuir. Bon, en attendant, nous, il va falloir qu'on aille chercher quand même quelques petits ennemis à combattre, au moins pour obtenir ma transformation. De ce que je sais, les amis, pour faire évoluer son fruit très rapidement, il faut s'attaquer à des gros poissons, c'est-à-dire des gros boss. Donc, est-ce qu'il y a le petit boss Diamond qui est là ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il est là, le frérot? Il est pas là? Diamond, il y a pas un petit boss ici? Bon, bah où est-ce qu'il se cache? Bon, bah c'est pas grave, on va aller se faire des amiraux. Le frérot Smoker. On va aller se faire Smoker, vous inquiétez pas. Lui, il va me donner beaucoup, lui. Je le sens. Hop, le petit bateau le plus rapide de l'Ouest. Wouhou! En avant, les amis. Bon, je suis toujours sur la petite île là-bas où c'est le feu et la glace. Mais je devrais m'en sortir là, normalement. Il me reste encore beaucoup à apprendre sur cette île. Mais je vais tout faire pour bientôt atteindre la C3, les amis. L'océan, le troisième océan. Pour tout simplement faire évoluer mon perso, là, les gars. On est niveau que 1175. C'est pas énorme. Au bout d'un moment, si je veux faire des vidéos sur Bloxfoot, il va falloir que j'évolue. Alors, on va aller prendre la petite quête ici, et hop, on va aller se fumer le boss. En avant. Salut tout le monde, comment ça va, ça biche? Ice Quest Giver, donne-moi l'amiral de fumée. Et bah c'est parfait, ça. On va se faire le petit frérot Smoker. Est-ce qu'il est là, au moins? Est-ce que t'es chez toi, mon pote Smoky Smoker? Il n'est pas là. Ah bah, attends, y a quoi en haut, là? Attendez. Bon, bah, il est pas là pour l'instant. Bah, super. Il se passe quoi en haut, là? Qui êtes-vous, monsieur? Master of Aura. Mais, attendez, mais y a quoi? Y a une boutique, c'est malade. Y a couleur Slimy Green. Ah, tu m'as trouvé, parlez, oui. Sorry, quoi, mon aura n'est pas encore assez forte, c'est ça? Mais je t'embrouille, toi! Tu m'agaces. Bon, bah, je suis pas encore assez fort pour avoir une aura. Malheureusement, c'est peut-être, il faut que j'ai mon haki aussi complet. Malheureusement, j'ai pas encore mon haki complet. C'est bien dommage. Je l'XP, hein, pourtant, je l'XP. Hein. Mais bon. Bon, bah, c'est pas grave, on va se faire des petits frérots. Oh, le dragon! Oh, il est vénère. Toi, tu es un fruit sur ma liste. Un jour, je deviendrai peut-être un dragon après avoir. Wow! Attends, il a pété un mur, là? Je savais pas qu'on pouvait les péter, ces murs-là! Il a vraiment pété un mur! Mais c'est un ouf! Ah, bah, il a respawn. Ah, mais c'est un portail, en fait, on peut le détruire. Moi aussi, je peux détruire ce portail ou pas? Est-ce que je peux le détruire? C'est la question que je me pose. Ah ouais? Oh, stylé, je peux le détruire aussi. Bon, bah, c'est cool. C'est pas mal classe tout ça. Bon, bah, en attendant que Smoker arrive, eh bah, je vais tout simplement lui demander une petite quête à lui là. Allez, on va affronter des quoi? Des ninjas de magma. Ok, c'est vous les ninjas de magma? Non, bah, non, c'est pas vous. C'est eux les ninjas de magma peut-être? Ah oui, Magmato Ninja. Ok, c'est stylé. Je vais les commencer avec mon sabre et je vais les finir avec mon fruit du démon tout simplement pour boum! Voilà, oh, maîtrise supérieure, c'est pas grave, on grind. Wouh! On grind. Allez hop, prends-toi ça mon pote. Boum! Dans un revolver. Yeehaw! Mais il est où le frérot? Mais non mais reviens, n'aie pas peur comme ça. Wow, sparkling kink. Et boum! Ouais, il faut que j'en tue quelques-uns quand même hein. Et boum, technique.
technique du doigt revolver. Cette technique, elle est incroyable. Elle fait tellement de dégâts. C'est un truc de waouh. Calmos. Ok, tu veux jouer? Tu veux jouer? On va jouer, mon pote. Je peux esquiver moult coups. Là, toi, body flicker, bam. Ça, c'est le spawn de fou, ça. Les gars, je spawn sur lui, mais comme la peste noire. Tiens, prends ça. Moi, j'esquive tout. Et toi, tu ne peux pas esquiver. Tu es beaucoup trop mauvais. Et oui, j'esquive tout, mon pote. Désolé pour toi. Ok, maîtrise 293. Plus que 7 niveaux. 7 niveaux. Et je pourrais m'en sortir avec ma transformation. Je sais pas ce qu'elle apporte en plus, en fait, ma transformation. Je n'ai pas encore connaissance de tout ça. Et c'est ce que je compte bien découvrir avec vous. Il est passé où? Bah, frangin, bah, pourquoi tu fuis? Reste là, mon pote. On est potes maintenant. Allez, viens. Oh là 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 là. Mais ça va pas assez vite, les gars. Ça va pas assez vite. Ce qu'il me faut, c'est vraiment le boss. Il me faut Smoker pour aller plus vite. Oh, alors comme ça, tu m'enlèves mon acquis de l'observation. C'est comme ça que ça marche, mon pote. Je le reprends aussitôt. Bah, t'es où? Voilà, reste là. On est bien ici. Salut, les copains. Bah, alors, vous, on vous dérangeait pas dans votre coin là? Index Sogun. Premier degré, les gars. J'ai un pote en plus que vous avez déjà vu dans les vidéos. J'ai un pote, les gars, avec qui j'ai fait des vidéos sur ma chaîne principale. Vraiment, il maîtrise la technique de l'index gun, mais IRL. C'est-à-dire qu'il a un doigt, et c'est du fer, c'est de l'acier. Et je vous mets sa tête ici en gros plan. Frérot, il nous a terrorisé pendant des années avec cette technique. Il maîtrise cette technique IRL. Genre vraiment, il a un doigt de fer. Genre, il m'effraie tous les jours. J'ai connu cette technique avant de connaître One Piece, les gars. Pour vous dire, boum, 294. Et bah nickel. On commence à maîtriser ce petit pouvoir, ça fait plaisir. Par contre, lui, je l'ai enfermé dans la pierre. Je l'ai enfermé dans la roche. Frérot, sors de là. Sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Faut que je le fasse sortir. J'essaye de le faire sortir, mais le pauvre, il est coincé. Bon, tant pis pour lui. Hein. Attends, mais il se passe quoi là-bas? Les gars, il se passe des dingueries ici. Ouais, mais attendez, mais il se passe quoi? Il y a un giga bouclier. Waouh! Il y a un giga bouclier, c'est la première fois que je vois ça. Ça va à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas rentrer. Les gars, il se passe des dingueries à l'intérieur. Attendez, j'ai envie de voir ce qui se passe. Bon, bah écoutez, bon, je les laisse faire leur affaire, hein, écoutez. Moi, je vais, je vais continuer ma maîtrise. J'espère que. Attendez, est-ce que Smoker est de retour ou pas? Ce serait pas mal. Smoky, Smoker! Oh oui, il est là-bas! On le voit. Ok, bon, bah très bien. Moi, je vais aller. Hop là! Dégage. Je savais pas qu'on... Maintenant que je sais que je peux péter cette porte, je vais m'amuser. Bon allez, on va choper la quête pour tuer Smoker. Et normalement ça devrait nous faire pas mal XP, les gars. Allez, allons vaincre Smoker. Dégage. Boum. Open up, Smoker. Non, y'a quelqu'un qui est en train de se le faire. Non, casse-toi. Non. Dégage. Il est à moi. Dégage. Il est à moi, Smoker. Boum. Voilà, je suis mort, mais au moins j'ai eu Smoker. Dégage, bouffon, va. Ils sont fous, ceux-là. Attendez, mais j'ai gagné combien de niveaux? Oh, mais j'ai gagné tous les niveaux. Et là, maintenant, je vais arriver à ma maîtrise 300. Je vous avais dit, les gars, c'est ce qu'il fallait que je fasse, un boss. Du coup, ça a désactivé mon joueur contre joueur parce que c'est l'autre qui m'a tué. J'étais pas du tout focalisé sur lui, du coup, il a pu me tuer pendant ce temps-là. Mais au moins, j'ai fait ce que je voulais. J'ai fait XP mes stats. Let's go. Mets tout ça dans le fruit du démon. Allez, maintenant, je vais juste en finir avec l'un de vous. Boum. Allez, c'est toi peut-être qui aura l'honneur de m'apporter la maîtrise 300. Boum. Non, pas encore. Eh ben, ce sera toi alors. Allez, apporte-moi ma maîtrise que je désire. Oh là, je l'ai fusillé en l'air. Boum, boum, boum. J'esquive tout, mon pote. Ok, et là, Index Sogun. Ouh, maîtrise supérieure 300. Eh ben, c'est parfait tout ça. Voyons voir à quoi je ressemble avec le niveau 300, les gars. On le voit ici, la petite transformation. Je l'ai dorénavant. Voyons voir. V. Wow. Ok. La tête que j'ai. Oh, c'est vénère. Oh, je peux. Oh, jure maintenant, je peux attaquer comme ça. Oh, mais c'est parfait pour le spam, ça. Wow. Et... Wow, mais je. Wow, les attaques. Ouais, je m'attendais, mais c'est un truc de fou. Oh, le fruit de zinzin. Oh, mais c'est... Oh, oh, je suis choqué. Oh, le fruit de zinzin. Oh, mais du coup, mes attaques, est-ce qu'elles changent? Je sais pas, normalement, mes attaques, peut-être qu'elles changent. Déjà, je pense qu'elles prennent beaucoup en puissance. Voyons voir celle-là. Ok, celle-là, ça va, elle change pas trop. Ouais, mais la puissance, mais je suis tellement plus rapide aussi. Ouah, et le body flicker. Wow! Oh là 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 là, mais quelle dinguerie! Mais par contre, je peux attaquer de... Oh là là. Oh, à force de spam les attaques, j'ai un petit combo qui s'active. Non mais c'est tellement vénère. Bam. Mais les gars, vraiment, je l'ai détruit en 2 secondes. Je l'ai détruit en littéralement 2 secondes. Mais c'est fou. C'est trop fou ce qui se passe là. Vraiment, en 2 temps 3 mouvements, je me l'ai fait quoi. Oh là là. Index Sogun. Ah ouais, l'Index Sogun maintenant ça passe pas par 4 chemins, les gars. Oh là 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 là. Mais je les défonce tous. Oh là là, mais surtout cette technique. Oh mais si j'accumule ça, bam bam bam. Waouh, non, c'est un truc de fou furieux. Et si je mets mon haki par-dessus? Ah non, ça se voit pas, ça ne se voit pas. Mon haki ne se remarque pas. Ah oui, d'accord. Il faudra que je sois très attentif à quand je l'ai et quand je l'ai pas. Boum, 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 boum. Mais je vais rester dans cette forme tout le temps maintenant. C'est un truc de fou. Wow, la forme de zinzin que j'ai là. Ils ont toujours pas fini de se battre là-dedans. Eh les gars, maintenant je suis un vrai léopard. Vous avez besoin d'aide? Boum. Oh, oh les gars, nickel. Hop, changer de forme. Parce que les gars, j'ai tout simplement un nouveau fruit qui est apparu. Et bah allons voir ça, les gars. Allons le chercher. Oh, mais tout tombe à point nommé. À chaque fois, ça tombe quand je. Oh, le fruit a despawn. Oh, quelqu'un a chopé le fruit. Quelqu'un a été beaucoup plus rapide que moi sur ce coup-là. Et je vais aller confronter cette personne. Normalement, le fruit, il avait spawn par là-bas, si je me souviens bien. Si j'ai des bons repères, le fruit.
fruits à spawn par là-bas. Je devrais trouver quelqu'un à fumer alors. Je vais vous fumer, vous m'entendez? Vous fumer! Est-ce que non, j'ai pas encore mon haki assez développé pour repérer les gens de loin comme ça. Attendez, mais c'est un bateau que je vois là-bas? Oh oui, c'est un bateau. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce bateau? Je le saurai très très bientôt. Eh oh! Il y a quelqu'un? Vous êtes venu chercher des fruits? Moi je suis Mister Ul Leopardo. Étrange. Il y a Fujitora ici. Fujitora? Mais personne se bat contre Fujitora? J'entends des gros bruits de guerre pourtant là. Et personne contre Fujitora? Bah attendez, avant toute chose, je vais essayer ma transformation sur lui. Bam! Fujitora! Oh, Fujitora qui prend! Oh là là! Oh là là! Il en prend pour son grade le frérot! Boum! Boum! Oh là là! Mais là je l'enchaîne beaucoup trop! Pauvre petit Fujitora! Bam! Hop là, je mets ça pour esquiver! Quand même, faut pas déconner! Wouhouhou! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Mais quelle puissance! Quelle puissance! Boum! Viens là, mon pote! Oh là, le corps à corps, c'est vénère! Oh là là, mais je le défonce en 2-2 au corps à corps! Viens là, mon petit pote! Wouh! Je t'emmène au 7ème ciel et boum! Boum du flicker! Oh là 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 là, mais c'est trop fort! C'est trop puissant! Il m'a donné de la météorite encore? Bah, merci beaucoup! Il fait que de me donner de la météorite, lui, à chaque fois que je le défonce! J'ai 4 météorites à force! Oh là là, mais la puissance que j'ai maintenant! Mais c'est un truc de zinzin! Bam! Oh là là, mais eux, en 2-3 coups! Oh là là, mais c'est tellement... Oh, mais je comprends. Les gars, les abonnés m'ont dit, mais c'est le meilleur fruit pour spam. Oh, attendez, oh, il y a le méchant là-bas. Reviens. Fuyard, pétochard. Tout pétochard, toi, tout pétochard. Tu as de la chance, et moi, je peux toujours pas aller dans l'eau. Ouais, non, bah non. Et les chats n'aiment pas l'eau. Je me suis dit, après, peut-être, il y avait une habilité cachée. Pas du tout. Écartez-vous de mon chemin. Bouge. C'est trop stylé. Attends, parce que lui, là, le petit katakuri là-bas qui s'est barré en donuts, il est parti sur la petite île là-bas. Je vais aller le pourchasser, c'est peut-être lui qui a mon fruit. Toi, donne-moi un bateau. Dépêche. Merci beaucoup. Hop là. Oh, la taille. La taille que je fais, par contre, ça me fume. They see me rolling. Yeah. Trop de flow. Où il est où, Katakurox, là? Viens là, te l'a donné, mon pote. Qui m'a volé mon fruit? Qui a osé me voler mon fruit? Il est pas là, le frérot? Il est le cimetière. Oh, si, je vois des zombies voler, là. Il est là. Oh, what? Il m'a chopé. Mais quoi? Alors, toi, mon pote? Oh, t'es foutu. Wow, ok, il est beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Oh, c'est Luffy en Gear 5. Mais je l'ai défoncé. Andinou 35. Oh, il vient du 35, comme moi. Bon, malheureusement, je l'ai défoncé, pardon. Mais c'est lui qui a attaqué en premier. Mais regardez, c'est Luffy. C'est Luffy en Gear 5. Oh, pardon, excuse-moi. C'est pas à toi que j'en veux, mon pote. C'est les petits zombies qui m'attaquent sans permission. Les Mugiwara. Il a quand même une sacrée prime d'équipage. Pas autant que moi, mais c'est quand même une sacrée prime. Salut, mon pote. Désolé, je voulais pas attaquer ton ami. Mais bon, il m'a pas laissé le choix. Ah, je vois. C'est toi qui es venu. Ah oui, d'accord, je vois. Tu es venu lui prêter main forte. Il s'appelle Luffy, il ne sait pas se débrouiller tout seul. Intéressant. Tu veux combattre? Ouah, mais il a annulé mon attaque. Il est chaud. Ah merde, j'ai pas activé. Ah, mais je l'ai pas activé. Oh non, j'avais pas activé. Oh, tu mets un S toi? Ah ouais, tu fais le malin? Ah oui, d'accord, ok. C'est donc toi mon problème. Il est niveau combien lui que je vois? Ah oui, d'accord, il a le niveau max. Intéressant. T'es pas un combattant intéressant, mais bon, je vais m'entraîner contre toi. Bon, laisse tomber. Il fait son mariole. Fais ton mariole, mon pote. Mais moi au moins, j'ai pas besoin de mes potes pour me défendre. T'apprendras à ton pote à s'acheter des gros yeux coups. Achète des balls à ton pote, mon gars. Certes, tu me bats aujourd'hui, mais t'inquiète pas que je compte bien évoluer. C'est ça l'esprit shonen tête de nœud. Mais par contre, c'est vrai que son haki était vraiment très très impressionnant. Oh, c'est quoi? Oh, il se passe quoi ici? Oh, c'est la guerre. Oh, c'est la guerre. Ok, eh bah, allons à la guerre. Wouhouhou. Bouya. Salut les copains, comment ça va? Et boum, on va défoncer des flottes ennemies. Index Ogun. Bam, un bateau au moins. Ouhou. Ah bah j'ai gagné 50 fragments, c'est pas mal. Bon, et bah apparemment, voilà. Moi j'attaque des flottes, elles disparaissent, voilà, c'est ce qui se passe. Bon, par contre, j'arrive pas à monter sur ce bateau avec cette forme. Voilà, laisse-moi conduire. J'ai trop le seum, les gars, j'ai perdu un fruit au cours de cette vidéo. Y'a un mec, il a été super rapide pour le choper. Quelqu'un avait un notifieur de fruits également. Intéressant. Ça me fume la manière dont on court, les gars. Dans un revolver, mon pote. Oh là 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 là, le body flicker. Boum. Wouh. À la prochaine, mon pote. Il m'a infligé 0 dégâts, c'est mignon. Oh, mais y'a du monde là. Léo, ça wake pas. Ah. Ah bon, ah bah tant pis, bah dommage, tant pis. Au moins on a quand même un fruit giga stylé et giga vénère. Enfin les gars, on sera venu à bout de ce fruit. La transformation de zinzin. Ouh. Les amis, aujourd'hui notre but va tout simplement être d'accéder à la troisième mer, le troisième océan de Bloxfruit. J'ai déjà acquéri 1500 niveaux sur le jeu, ce qui me donne la possibilité d'aller tout simplement dans le troisième monde. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avant toute chose, on va déjà aller se faire le dernier boss de l'océan 2, qui normalement est bah par là-bas, je crois. Normalement, il me semble qu'il est là-bas. Regardez d'ailleurs, elle est pas trop stylée mon katana. Bon là, en fait, les gars, je dois vous faire un petit aveu. C'est que bah, j'ai reload toutes mes stats et en fait, bah, j'ai tout enlevé ce que j'avais dans mon épée. Ce qui fait que bah du coup, ma giga lame sombre là, ma Yoru, elle me sert plus à rien. Et entre temps, bah, j'ai trouvé la petite Rengoku. Voilà, j'ai tué tout simplement un garde là-bas. Il était juste en bas de l'île et il m'a donné une clé pour avoir la Rengoku. Et qu'est-ce qu'il a mon bras là? Il y a un petit problème avec mon bras. Je
crois qu'il y a un petit souci. Mais au moins, j'ai une lame de fou furieux. Bon, je l'ai pas trop XP parce que de toute façon, j'ai zéro dans ma lame. Moi, j'ai XP mon fruit du démon de fou. Voilà, je l'ai en balle. Voilà, forme léopard, tu connais. Et là, au moins, je donne des vrais coups, les gars. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop là, on va se faire celui-là. Hop là, bonjour, mon petit pote. Regardez les giga coups que je lui mets. Là, j'ai tout simplement juste à lui mettre 2-3 petits coups et boum. Hop. Et voilà, c'est bon, je le termine, je les défonce aussi facilement que des petits rats. Hein. D'ailleurs, c'est tout ce que vous êtes, des petits rats avec des ailes, voilà. C'est tout ce que t'es, là. En mode, tu contrôles la flotte et tout, nanani, nanana, moi, je te défonce, mon pote, et boum. Et là, petite technique, pouf. Ah, les gars, laissez tomber, je suis beaucoup trop fort pour eux. Bon, alors, normalement, le petit boss, il spawn ici, il faut qu'on se le fasse quand même avant d'aller en Océan 2, parce que je l'ai toujours pas tué. Bah, il est censé être là, bon, attendez, je vais mettre un peu de Robux, tout simplement, pour le faire respawn. Hop, on va faire respawn les boss, quand même. Hop, boss respawn, c'est 50 Robux, c'est la moindre des choses. On va quand même se le faire avant d'aller à l'Océan 3, un minimum de politesse, boum, voilà, il spawn ici. Regardez-le, là, comment il est stylé, là, le maître de l'eau, carrément. Et bah, ça va être à nous de nous le faire. Hop, je vais quand même mettre ça, histoire d'esquiver ses coups, et boum. C'est parti pour l'attaque, les gars. La grande guerre. On va essayer de le défoncer. Boum. On lui met toutes nos attaques dans la tronche. Et pouf. Bah alors, mon pote. En vrai, on lui a pas enlevé beaucoup de vie, là, pour l'instant. Oh, il fait des attaques de l'eau de fou. T'es un malade, toi. T'es un barjo, là, mec. Boum, 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 boum. On le défonce avec le Index Hogan. Oh, c'est cheaté. Il est parti où? Oh, le Narvalo, il est parti où? Oh, il a respawn. Wow. Wesh. Il y a un monstre marin. Mais comment vous voulez que je fasse? Attendez, attendez, mais comment vous voulez que je fasse avec le monstre? Ah, je me fais attaquer par le monstre marin en même temps, mais les gars, je suis censé faire comment? Ok, bon bah... Waouh! Mais on m'attaque! Oh, je suis obligé d'esquiver et le monstre marin et le frérot là! Bouge de là, toi! Waouh! Ok, ok, waouh, j'ai esquivé, ça va. Heureusement que j'ai mon acquis de l'observation qui me permet de. Waouh! Pas d'esquiver ça! Waouh! Aïe, 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 aïe! Mais attendez, mais là, les deux sont contre moi, les frérots! J'ai un monstre marin et. Waouh, waouh, waouh! Dégage! Oh là là! Oh, mais même le boss, il s'est fait défoncer par le monstre marin! Eh, mais tu vas nous laisser tranquille! Mais y'a pas un moment. Waouh! Mais il est censé disparaître, le frérot, au bout d'un moment! Oh là 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 là, oh là là, oh, il me fait beaucoup de mal! Oh, il me fait beaucoup de mal, le frérot! Bête de. Mais laisse-moi tranquille, mais laisse-nous. Oh, je suis obligé d'esquiver comme je peux. Boum, dégage toi, dégage, je t'ai dit. Non mais laisse-moi tranquille, non mais les gars, je peux pas tenir ça tout seul, c'est pas possible. Y'a personne pour m'aider, quelqu'un dans le coin, s'il vous plaît. Il est où le méchant, le boss? Waouh, oh mais les gars, je suis obligé de tout esquiver. Mais il se remet de la vie en plus, mais il est fou. Oh là 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 là, ça va être compliqué cette histoire, ça va être très compliqué. Waouh, mais je suis obligé d'esquiver le monstre marin. Laisse-moi en paix. Bon, je vais essayer de réactiver mon petit acquis de l'observation si je peux esquiver le monstre marin. Ah non, je peux pas tout esquiver, mais il m'enlève beaucoup de vie en plus. Il est fou lui. Hop là, je vais me TP, boum. Non, non. Oh là là. Allez, 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 il faut juste que je tue ce boss, après on se casse. Mais le monstre marin, mais il en a qu'après moi. Oh les gars, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, je suis bientôt foutu. Je suis bientôt foutu. Boum. Toi, tu prends, toi. Bam. Bam. Oh, je l'ai enchaîné des attaques. Oh là là, allez, hop, petit X, allez, boum. Bouya, mon pote. Je vais tout te mettre dans la tronche. Oh là là, il a plus de vie, il a plus de vie, il a respawn. Ok, il est là-bas. Oh là là, laisse-moi tranquille le monstre marin. J'ai bientôt défoncé le boss des mers, c'est bon. Je l'ai défoncé. Oh, waouh, 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 waouh. Ok, c'est bon, moi je me casse. Hein. Moi j'ai fait mon travail. Hey, à la prochaine, mon pote. Ouais, il est énervé. Eh, je lui avais quand même enlevé de la vie au monstre marin. Je lui avais enlevé la moitié de sa vie. Mais bon, on va pas laisser le faire tout de suite. Hein. Moi j'ai plus de vie. Tu vas me laisser tranquille. J'ai un nouveau monde à découvrir, mon pote. Allez, salut. À la prochaine. Oh, il a replongé. Bah oui, c'est quand je me casse que tu t'en vas, toi, évidemment. Saloperie. Bon, par contre, les gars, je suis curieux parce que sachez que une fois, un abonné avait tué ce boss et il m'avait donné une clé et il m'a dit. Va voir un petit pote là. Du coup, j'avais donné la clé à ce petit monsieur qui est là-bas. Mais je sais toujours pas ce que ça me donne, les gars. On m'a prévenu de rien. Oh, j'entends de la bagarre un peu par là-bas. Y'a du monde en bas là. Oh bah, y'a un frérot léopard. Oh bah, salut, mais il fait partie de l'équipage, du meilleur équipage. Tu vas pas si 3. Si, 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 bientôt, t'inquiète. Hop, on se capte après, BG là. Je tourne vite fait et puis on s'attrape. T'inquiète pas, on s'attrape en 6-3, mon pote. C'est vrai que du coup, là, je vais pouvoir rejoindre la dernière mer, les gars. Je vais pouvoir rejoindre tous mes potes là-bas, c'est nickel. Bon alors, apparemment, moi, on m'a dit d'aller voir lui, The Sharkman. Ok, bonjour, je peux vous parler. Merci d'avoir trouvé mes clés, mais je ne peux pas encore t'apprendre quoi que ce soit. Reviens quand tu seras assez préparé. Ah mais quoi? Mais on m'a douillé là. Les frérots, j'ai assez de niveau pour aller en C3. Normalement, je suis prêt pour tout là, non? Non? Bon bah ok, bah c'est pas grave, je vais me faire voir ailleurs. Oh d'ailleurs les gars, le monstre marin, ça m'a rappelé un truc de fou que j'ai vécu. C'est-à-dire que je me baladais tout simplement en bateau et je tombe sur une multitude de monstres marins, les gars. De toute façon, vous le voyez à l'écran, je l'avais réglé, c'était un truc de zinzin et je savais même pas que c'était possible. Alors après, est-ce que c'est réellement possible qu'il y en ait autant au même endroit? Ou alors est-ce que c'était un cheat de la part d'un joueur? Je ne sais pas. Dites-le-moi en commentaire si vous le savez. En tout cas, c'était assez incroyable. Bon, alors, bah salut, hein, j'ai plus besoin de vous. Moi, j'ai plus besoin de ces quêtes-là. Normalement, j'ai un petit message qui s'est affiché tout à l'heure. On m'a dit d'aller au Coliseum pour aller en mer 3, tout simplement. Et bah, on va aller voir ça. Là, on va se prendre notre petit bateau qui va super vite. Bonjour. Le petit bateau rapido. Waouh, waouh, waouh. Et on a juste à retourner à Dressrosa. On retourne à Dressrosa, les amis. C'est là-bas que se trouve le petit Coliseum. Là, je vous jure, j'ai tryhard les niveaux pour aller en C3. Et j'espère que ça vaut le
coup, j'ai hâte de découvrir un petit peu cette nouvelle île, ce nouveau monde, que dis-je. Et d'ailleurs, les gars, j'en profite pour vous dire qu'on va essayer de faire beaucoup de place pour qu'il y ait beaucoup de membres d'équipage à rejoindre et que vous pouvez poster vos candidatures pour rejoindre l'équipage dans le Discord. Voilà. Et le Discord, bah, il est en description, les gars. Vous pouvez le voir. C'est pour vous. Vous pouvez le rejoindre. Voilà. On prendra ceux qui ont le meilleur niveau et le meilleur bounty. Je parle pas du petit chocolat, hein. Je parle vraiment de la prime. Bon, on emprunte le petit tunnel secret sous Dereres Rosa. Et avant d'aller au Colosseum, je vais tout simplement aller voir s'il n'y a pas un petit fruit, déjà, un petit fruit aléatoire qui pourrait me mettre bien. Parce que l'autre fois, j'ai pas que le Doug en random. Donc bon, je me dis qu'on peut être bien. J'ai pas que le fruit du Donuts comme ça aléatoirement. Donc bon, avec un peu de chance. Ok, me voilà à Dereres Rosa. C'est cool ici, il fait bon vivre. J'aimerais bien vivre ici. On va vite fait aller voir le frérot qui nous donne des petits fruits gratos. Hop là, nickel. Il est là, le frérot. Allez, mon petit Blox Food Gacha. Allez, donne-moi un vrai fruit, s'il te plaît. Donne-moi un vrai fruit. Là, déjà, ça va me coûter combien? Ouh, 200 000. Ouh, ça picote. Allez, donne-moi un fruit aléatoire de zinzin, s'il te plaît. Ah, le fruit du kilo. Bah oui, bah on le connaît, celui-là. Bon, allez, moi, je le lâche, hein, pour ceux qui veulent. Hop, je vous le donne. J'en ai rien à faire d'ici. Oh, bah, il y a les frérots léopardo ici. Salut, toi. Je peux te parler à toi? Je sais plus ce qu'on peut parler, toi. Je suis occupé en ce moment, hein. C'est vrai, ils sont toujours occupés. Et j'avais pas des petits trucs à faire ici si j'avais un assez bon level. Hop là. Color spécialiste. C'est quoi ici? Je sais même pas ce que c'est. Acheter avec des Robux. On peut acheter avec des Robux? Ouah, 350 Robux. Wesh. Attendez. Celle-là, elle est ok, non? 88 Robux. On va voir, est-ce que ça nous fait une aura autour de nous quand on se ment haki, c'est ça? Je l'ai mis, hein, moi je l'ai mis. Hein. Hop, c'est bon. Je l'ai activé, ça s'active quand je mets le haki. Oh, le flow! Ah ouais, non, mais ça met du flow quand même. Est-ce que ça se voit quand je suis en forme de léopard ou pas? Eh non, ça se voit pas. Bon, bah c'est dommage. Dommage, j'aurais bien aimé que ça se voit quand même. Mais là, j'ai un petit flow. Oh là là, c'est dingue. Awakening expert, c'est quoi ça? Salutations, ton fruit est-il réveillé? Ah oui, d'accord, mais oui, mais je crois que je peux pas awake mon fruit, moi. Je crois que le fruit du léopard, il y a pas d'éveil. Bon, c'est dommage, mais bon. C'est la vie. Ok, bon, c'est bon, on a fait notre petite affaire ici. Allons au Colosseum. Hop, je vais mettre en transformation comme ça, je vais plus vite. Mais oh, on m'a chopé, mais qui m'a chopé? Mais t'es un malade, toi, tu sais pas à qui tu t'attaques. T'es un barjo là, mec. Ouah, j'étais pas prêt, il m'a pris par surprise. Oh, le zinzin, il est où? Oh, mais c'est un fou, lui. C'est pas à qui tu t'attaques, toi. Oh, mais je vais te défoncer. Oh, mais voilà, mais t'es mort. Mais t'es un malade, toi. Mais il est fou. C'est un zinzin, lui. Il sait pas à qui il s'attaque. Grand malade. Bon, nous, on a notre petite affaire à faire ici. Hop, le Colosseum. Allons voir ça. Ok, donc on m'a dit de venir voir quelqu'un d'emprisonné au Colosseum. Alors, où est-ce que je dois aller? Ah, bah, sûrement par là-bas, il y a une petite entrée. J'imagine que c'est par là-bas. Parce que là, on peut juste faire des 1v1 entre potes. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai pas d'amis, de toute façon. Hop, là. Ok, j'imagine que c'est quelque part par là. Ok, bonjour à tous. Bonjour, moi je... Eh oh, je viens pour aller en C3, moi. C'est vous que je dois venir voir, les copains? Attendez, mais il y a plein de lettres ici. Me dites pas qu'il y a une énigme de zinzin à faire. Attends, ils m'ont dit d'aller voir un mec emprisonné au Colosseum. Mais bon, il y a quelqu'un qui se cache par là ou quoi? Et moi, je vois juste un coffre de zinzin là-bas, c'est tout. Attendez, mais on est d'accord que je suis au Colisée. Voilà, je suis au Colisée. Normalement, il y a un mec qui est quelque part emprisonné. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous attaquer, c'est ça? Eh oh, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Mais vous allez me laisser rentrer, oui. Je vais aller dans le monde 3. Ils sont fous. Vous allez me laisser rentrer, oui. C'est quoi? Il y a un code à faire ici? Faut que je clique là-dessus, peut-être. Oh, mais ça me tire dessus. Quelqu'un me veut du mal? Il y a quelqu'un qui me veut du mal ici. C'est pas possible. Bon bah les gars, au pire, Internet est mon ami, hein. Internet est mon ami, je vais essayer de trouver la solution. Je me suis pas du tout renseigné, moi. Alors les gars, là j'ai un gros problème parce que bah tout le monde dit qu'il faut aller parler au mec, mais sauf que bah là il y a des barreaux. J'ai atteint le niveau qu'il faut. Faut me laisser passer là, messieurs, ça y est. Attendez, je vais essayer de quitter et de revenir parce que là pourquoi il y a des grilles? On m'a dit de venir lui parler. Normalement c'est bon. Eh, je suis 1503 le niveau, il faut être niveau 1500, on m'a dit. Voilà, là j'ai changé de serveur. Bien joué, vous avez atteint un prêt à aller au prochain monde, sauvegarder et parler au PNJ emprisonné dans le Colisée. Bah oui, bah, c'est ce que je vais faire. Je viens de changer de serveur là les gars, j'ai pris mon petit serveur privé. Là si ça marche pas, je ne comprends pas. J'espère qu'il n'y a pas les grilles. S'il y a les grilles, là, les gars, je ne comprends plus. Mais il y a toujours les grilles. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis censé faire quoi? Je ne sais pas quoi faire. Vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît, parce que là, j'ai. Bah, en fait, je dois y aller, quoi. C'est ça que je dois faire? Vous êtes raciste des léopards, c'est ça? Je comprends pas. Ah, à moins que je sois complètement teubé. C'est ça la réponse? Je suis teubé? Je pense pas. Enfin, pas à ce point. Attendez, je vais essayer de relevel up d'un niveau, parce que là, je pense que ça bug. Oh, attends. Bonjour, est-ce que quelqu'un sait comment faire? Aura editor, bonjour, vous pouvez me donner une aura de fou? Parlez. Je vais essayer de monter d'un niveau en plus. C'est peut-être ça le bug, c'est qu'il faut que j'atteigne un niveau en plus. Je comprends pas. Je vais aller me faire des petits bougs en vite fait là. Bâton du pirate signe. Et voilà, je vais me faire des petits pirates en 2-2. Oh voilà, eux c'est assez, voilà. Bon, je vais aller me les faire en 2-3 mouvements. Bonjour. Salut les copains, comment ça va? Ça va bien, bien, tranquille, la mif. Hop là, bonjour. Désolé, je viens, je casse tout un peu, je suis maladroit. Hein. Hop là, bon, vous venez. Hop là, toi aussi, tu viens, moi je vous réunis tous au même endroit, je vous défonce. Allez, boum. Et si à toi t'es jaloux? Tu veux comme tes copains? Boum. Ok, c'est bon, niveau, voilà. Alors attendez, sauvegarder et parler au PNJ emprisonné. Comment ça sauvegarder? Moi c'est bon, c'est sauvegarder là. Prêt à aller au prochain monde, voilà, normalement
c'est bon. Mais je comprends pas. Il y a toujours les grilles. Qu'est-ce que je fais? Je veux parler à lui là-bas. C'est à lui que je dois parler là-bas. Elle me laissait passer, oui. Y a pas un levier, un truc. C'est dingue. L'enlever, moi, c'est grille. Comment suis-je censé faire, en fait? Attendez, je vais demander un renseignement là, frérot. Les gars, j'ai un problème. Quoi? On me dit d'aller au café. Ok. Je vais suivre les conseils. Hein. On va aller au café. On va voir. Hein. Peut-être qu'ils auront des réponses à me donner. C'est pas clair cette histoire quand même. Mais qu'est-ce que je ferais sans cet équipage? Hop. Alors, je dois aller au café. Ok. C'est bon. Je suis au café. Super. Lui, t'as fait quoi? Bah oui, j'ai fait lui. Je vais me refaire tous les boss que j'ai déjà fait. Salut mon pote. Comment ça va? Ça fait un bail. Boum. Eh bien là. Allez, prends-toi ça, mon gros. Boum. Ah mais là, je le défonce trop là. Bon bah c'est bon. Là, je l'ai tué. Ah, tu m'as vaincu. Ah mais j'avais pas eu ça la première fois. Parlez maintenant. Très bien. J'étais amené dans la famille des pirates des cygnes. J'ai obtenu le poste du directeur du Colisée. J'ai truqué les événements pour que mes combattants gagnent toujours. Quand tu trouveras Maître Cygne, dis-lui que j'ai raté. Ah, mais d'accord. Ah, mais ça y est, mais en fait, je les avais tués, mais pas dans le bon ordre, en fait, je crois. Et là, du coup, attendez, je vais retourner voir Bartholoméo. Ah, mais il fallait que je refasse ces quêtes-là, en fait. Mais d'accord, mais je savais pas. Ah, maintenant, je sais. Le tournoi est revenu à la normale. Allez, maintenant, libère les gladiateurs emprisonnés qui sont gardés en captivité sous le stade. Ah, bah voilà, maintenant, il faut que j'y aille. Et c'est là-bas, maintenant. Normalement, ça va devenir vert, maintenant, les petits trucs, si je les libère. Et là, ça devrait le faire, en théorie. Là, je vais aller les libérer, ça va être ok. Donc, alors, attendez. Ok, là, c'est bon, ça devient vert. Bah, nickel. NBMFNBMFN et le B. C'est bon, nickel. Nous sommes gratuits. Nous sommes libérés enfin, nickel. S'il vous plaît, monsieur, prenez ce casque en signe de notre appréciation. Jure, ils m'ont donné un casque. Oh, let's go. Oh, le petit Flo. Oh, j'ai un petit Flo. Let's go. C'est vénère. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir aller parler à lui. Ok, je vais parler à lui. Nickel. Ok, parlez. Bonjour, je suis triste. Pourquoi, mon pote? Pourquoi t'es triste? Pouvez-vous manquer de respect? Pour moi, j'ai besoin qu'il fasse sa rune, qu'on puisse terminer la mise à jour 15. Ok, mon pote, comme tu veux, commençons. Oh, c'est quoi ce délire? Oh, attendez, il y a un vrai mec vénère là. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Monsieur, c'est vous que je dois taper? Bah écoutez, je crois que c'est lui. Non, faut que je lui parle. Ok. Fallait vraiment que je le tape. Dégage. Ok, les gars, là, ça va être très compliqué. Je pense que c'est le dernier fight avant d'accéder à la C3. Ok, il est où le frérot? Il est où? Oh, wesh, il a spawn derrière moi. Mais attendez, il a l'arme que j'avais avant. Il a l'Ayoru. Mais dégage. Oh là 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 là, ok, il faut que je le défonce. Waouh. Mais il est trop fort. Ok, là, j'active mon acquis de l'observation. Tu ne pourras rien faire contre moi maintenant. Spiraling kick. T'es foutu, mon pote, t'es foutu. Il est où? Bam. Ok, toi, mon pote, t'es mort. Ok, sparring kick. Waouh, il m'a foutu un coup du roux, il est vénère. Ok, il est où? Ok, bam, bam, bam. Doigt revolver. Ok, c'est bon, on le défonce à coup de doigt revolver. Let's go. Boum. Oh là là, mais il a trop de vie, c'est un malade. Ok, on l'emmène dans les airs. Voilà, va dans l'eau. Hop là, il respawn là. Boum, je te défonce. Ok, oh mais attendez, il a repris toute sa vie. Oh, il se passe quoi? Oh, la dinguerie. Oh, wesh, il y a un fight de zinzin. Oh, mais c'est quoi? Mais c'est une cinématique carrément. Mais c'est un truc de zinzin, mais what? Quel truc de fou, les gars. Wow. Oh, le combat de fou furieux. À quel on assiste? Oh, c'est un truc de zinzin. Avec une musique de fou en plus. Oh là 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 là. Mais quel combat à l'épée de malade. C'est un truc de malade. Vraiment, je vous le dis, c'est un truc de fou. Wow. Oh, il a récupéré son épée et tout. Mais quoi? Mais quel truc de fou. Oh, mais c'est un truc de malade. Ah, ils ont mis les moyens, la Bloxfoot. Oh, son épée qui tombe. Malheureusement, que va-t-il faire? Oh là là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais il fait des attaques d'animé de zinzin, là. Oh là là, la puissante attaque de la Yoru. Yoru contre Yoru. Oh non, il l'a défoncé, malheureusement. Le frérot, il est à terre. Lui, du coup, j'imagine que c'est le gentil et qu'on a affronté le méchant. Oh, la patate ultime. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a chopé. Pour faire quoi? Oh, il l'emmène dans un autre monde. Oh, mais la dinguerie, c'est quoi ça? Pourquoi un autre monde? Oh, on a fini. Message de King Redhead, ok. Lisons ça. Ceci est un message mental. J'ai été scellé par Rip Indra dans la troisième mer. J'ai besoin de ton aide aussi vite que possible, s'il te plaît. Viens me sauver. Roi à la tête rouge, ok. Le propriétaire, du coup, le créateur de Bloxfruit, j'imagine. On doit parler au capitaine dans la zone végétale, d'accord? Ok, donc normalement, c'est par là-bas, les gars. Il y a un petit capitaine qui m'intriguait un petit peu ces derniers temps. Il est par là-bas, les gars. J'imagine que c'est à lui qu'on va devoir aller parler pour accéder à la troisième mer, l'océan 3. Je suis curieux de voir ça. Ouais, j'imagine que oui, c'est là-bas parce qu'il y a les abonnés qui m'attendent à côté. Allons parler. Oula, pardon, excusez-moi. Oh, en combat. Oh, je suis désolé. Navré. Monsieur Capitaine. Ok, donc normalement, on lui parle. Parlez à ce gentil petit pote. Je peux t'emmener à la troisième mer. Est-ce que tu voudrais y aller? Évidemment, on y va. Impossible de se téléporter pendant le combat. Ah oui, bah d'accord. Ok, alors attends. Je suis désolé. Hop, c'est bon. En tout cas, les amis, c'est parti pour le troisième monde. Enfin, je vais découvrir quelque chose d'autre. Bien sûr, du côté des pirates. Ok, on est au troisième monde. Oh, c'est stylé. Oh, mais cette ville est incroyable, je le sens. Oh là là, mais il y a des îles de malades partout. Oh, c'est tout un nouveau monde à découvrir. Oui, ça fait plaisir. Bienvenue au pire monde. Oh, bah nickel, ça met dans l'ambiance direct. Bonjour, enchanté. Oh là là, c'est mignon, il y a des petits forgerons, des petits gens et tout. Là, c'est quoi? C'est un caisse giver pirate millionnaire, pirate milliardaire. Ok, d'accord. Je dois taper des gens, c'est ça? J'imagine que c'est eux que je dois taper là. C'est quoi? C'est les pirates millionnaires. Bon, ils valent pas grand chose, je les défonce en 2-2 ceux-là.
Bah alors, c'est ça vos pirates ici? Dans le troisième monde? Bah alors, c'est pas grand chose. Vous n'êtes que des petits pirates de pacotille ici. Ok, y a un boss ici, j'imagine. Attendez, je suis curieux de voir c'est qui le premier boss. Qui est le premier boss ici? Y a un boss? Y a pas de boss. C'est qui Pierre? J'ai vu qu'il y avait un boss qui s'appelait Pierre, c'est qui? Bah, j'imagine que le boss devrait être ici, non? Quelque part par là? Je sais pas. En tout cas, les amis, j'ai très hâte de découvrir un petit peu ce nouveau monde. D'en découvrir un petit peu les secrets, parce que là, on vient quand même de vivre un truc de fou, une cinématique de malade. Je suis très très curieux de découvrir ce nouveau monde, d'en apprendre un peu plus. Waouh, ah ouais, donc ça c'est la première ville en fait. Et il y a d'autres îles un petit peu aux alentours. Mais les gars, j'ai envie d'aller visiter avec vous. On va aller voir ça. Allons voir un petit peu les nouvelles îles qu'il y a. Je suis curieux de voir. Là, je reconnais rien de loin. Déjà, les gars, ça aurait été incroyable qu'il y ait une île style Zunesha, les gars, le giga éléphant dans la mer. Ça, ça aurait été une vraie dinguerie. Ça, je reconnais pas trop. C'est quoi comme endroit ça ici? Je connais pas. Ça fait un petit peu tropical, île hydre. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un peu hydre avec les têtes de dragon. Je connais pas, bizarrement. Je reconnais pas. C'est quelle île ça dans One Piece? Je ne reconnais plus. Ouah, le gigant arbre là, c'est. Ouais, c'est quel endroit ça déjà? Après, ils ont fait trop d'îles, hein, les gars. Oh là là, je vais me faire détester par les fans. Mais je me souviens plus. Moi-même qui suis fan, je me souviens plus vraiment. Le gigant arbre là, ça me dit un truc. On dirait l'île de Robin, mais je sais plus. Grand arbre. Ah bah, ça s'appelle juste Grand arbre. Ok, d'accord, ça fait un peu Chabondi. Oh là-bas, il y a un giga bateau. Oh, mais c'est quoi comme bateau là-bas? Wow, ouais, il y a un monstre marin là-bas qui est apparu, il m'a fait peur. Oh, oh, oh. Reste là-bas, mon pote, hein. Reste tranquille. Reste tranquille. Wesh, mais il m'attaque en plus à distance là comme ça. Oh, il est fou. Oh, c'est une Yes Lobby ça, non? Marie-Joie, je sais plus. Comment ça s'appelle ici? Comment ça s'appelle? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Non, c'est un bateau. C'est un bateau avec des canons. Mais c'est quoi cet endroit? Château sur la mer. Mais d'accord, mais il donne des noms aussi. Waouh. Et ici, c'est quoi? C'est peut-être ici les Chabondi, non? Wow, mais attendez, mais il y a un giga truc sous l'eau là. Wow, j'avais pas vu, mais il y a une tête de grenouille. Les gars, il y a une tête de grenouille sous l'eau. Elle fait flipper. Je vous jure, elle fait flipper. Eh, je m'approche pas. Eh, salut. Ah, mais non, mais c'est une tortue en fait. C'est une. C'est une tortue avec un truc sur son dos en guise de carapace. Wow, et ici. Oh. Ah là, ça devient Bresson ici. Oh, ça devient Bresson quand on arrive là. C'est Thriller Bark? Oh. C'est Thriller Bark ici ou pas, les gars? Je suis curieux, c'est un délire de Thriller Bark. Mais en même temps, on dirait pas. Château hanté, ouais, bah si, c'est ça, c'est clairement Thriller Bark. On va voir. Ah oui, mais d'accord, mais c'est clairement. Ah ouais. Ah, mais c'est énervé. Ouais, ils sont dosés, les frérots. Et là, les quêtes. Oh, il y en a plusieurs. Ah ouais, ils leur ont mis des petits masques d'Halloween. Ah ouais, des squelettes, des zombies. Oui, c'est clairement Thriller Bark ici. Bon, bah les amis, il me reste beaucoup de choses à découvrir en Citroën. Au moins, on aura vécu tout ça ensemble, les gars, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour suivre les prochaines aventures. On est bientôt 30 000 sur la chaîne et c'est un truc de fou furieux. Et likez évidemment si vous voulez plus de vidéos sur Bloxfruit. A très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut !